Salut à toutes et tous et bienvenue dans le talk sur webgirondin.com. Bienvenue, je suis content de vous retrouver ce soir pour une émission exceptionnelle. Et là, vous vous dites, il est où Diego Rolan? Mais il va arriver, voilà. Il s'entraîne avec son club, le Pyramide FC. Il sera avec nous aux alentours de 21h15, 21h30. Voilà. Et ce soir, pour cette émission, Monsieur Jonathan D'Agostino qui est là. Salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous. Monsieur Samuel Vasselin, salut Samuel. Salut Nico, salut à tous. Monsieur Gino Forte qui est là, salut Gino. Salut Nico, salut à tout le monde. Et monsieur Conan qui est là, salut Conan. Salut, salut à tous de la cabine. Voilà, bon, comment ça se passe ce vol là? Tu as bien atterri? C'est bon, ça va? Écoute, pour l'instant on a quelques turbulences, on verra dans 4-5 jours, 4-5 journées ce que ça donnera. T'as de la chance parce que nous on est dans le vol de la série Lost, hein. Et pour l'instant, il n'y a rien à manger. Lost, hein. Lost porté disparu. Alors, plutôt, y a-t-il un pilote dans l'avion? On peut en faire pas mal. On peut en faire pas mal. On peut se faire une séance de ciné complète. Hein. T'aurais dû inviter Leonardo DiCaprio d'ailleurs. Je pense que ça correspondait bien avec le naufrage. J'ai pas son numéro et je parle pas bien anglais. Non, mais c'est pas dispo, il était à Dijon ce soir. Il était à Dijon ce soir. C'est pour ça. Je salue tous ceux qui nous rejoignent pour cet horaire exceptionnel. Déjà, 20h30, pourquoi? Alors, j'ai vu qu'il y a eu des connexions sur la vidéo à 19h30. Mais parce que pour avoir Diego Rolan, ça fait un petit moment qu'on discute avec lui pour qu'il puisse venir. Mais l'entraînement avec son club était de 19h à 21h. Donc plutôt que de reporter encore, on a préféré tenter le coup pour le faire venir ce soir en décalant d'une heure. Donc messieurs, déjà, merci d'être là. Et merci à tous qui vous connectez. Donc l'émission est diffusée en direct sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook, comme d'habitude, hein, pour nous encourager. Je vous invite à mettre un petit like si vous appréciez ce qu'on fait, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et aussi de partager cette vidéo avec vos amis. Hein. Voilà. Hein. Je vais vous donner un indice. Samuel Vasselin est très remonté ce soir. Mais je crois que c'est une habitude constante, hein, pour le coup. Hein. À chaque fois, tous les lundis, on est tous remontés. On se demande tous si on a touché le fond et on a des choses à dire nouvelles chaque semaine. C'est pas mal, hein, en termes de renouvellement. On est bien, franchement. Ouais, on a eu des briefs, on a eu beaucoup de monde sur le débrief hier. Merci à vous. Merci à vous. Je pense que s'il y a eu beaucoup de monde, c'est à cause du résultat, donc on peut pas s'en réjouir. Hein. Je salue aussi tous les socios qui nous font confiance, parce que ce soir, regardez, quand même, j'ai prévu, hop, je me décale, tirage au sort ce soir. Voilà, il y a le nom des 67 socios, pardon. Ils sont là. C'est système D, hein. Donc voilà, les noms sont là et on fait gagner un maillot vintage ce soir, donc il y aura le tirage au sort à la fin. Donc Socios, merci de votre fidélité, il y en a un d'entre vous qui va gagner le maillot. Je ferai le tirage au sort d'ailleurs, je compte sur vous pour me le rappeler si j'oublie. Hein. Je suis capable de mettre fin à l'émission en ayant oublié de le faire. Hein. Donc, Je serai là Nico pour te le dire, t'inquiète. Merci Conan, merci à vous. Donc pour nous soutenir si vous souhaitez le faire, il y a le lien en haut sur notre page YouTube, sur notre site internet aussi. Allez-y, plus on est nombreux, plus ça nous donne de la latitude pour vous proposer d'autres émissions. Anthony qui dit, allez, Nico, tire mon nom. Non, je ne peux pas tricher. Je voulais faire tirer un des gamins, là, mais bon, je ne sais pas s'ils seront disponibles à 22h. On verra. Flo, il a mis, tu en as mis 60, là. Tu as écrit Rikiki, mort de rire. Ouais, 67. Alors oui, j'ai fait des petits papiers. Regardez, il y a vos noms, là, vous voyez, hein. Vous les voyez, les noms. Hein. J'ai fait des petits papiers. On a investi dans une loupe pour pouvoir lire. Et ouais, principe. Mais je vous le montrerai à la caméra. Faudrait qu'on puisse le lire quand même. Oui, mais vous pourrez. Vous pourrez. Allez, on pourra. Le sommaire de cette émission, on reviendra bien sûr sur le match face à Saint-Etienne. Bordeaux est-il passé en alerte rouge après la défaite à Saint-Etienne? Je vous poserai la question. Ça donne quoi, Paulo Sousa, avec la Pologne? On accueillera Marcine tout à l'heure, supporter des Girondins et polonais, qui tient un compte Twitter sur les Girondins de Pologne. Donc il sera avec nous pour détailler ça.
Troisième partie, entretien avec Diego Rolan. On croise les doigts pour la connexion avec l'Égypte. Hein. Je rappelle qu'il est en Égypte, hein. Il est au Caire. Hein. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ouais. Et enfin, on se demandera si Bordeaux va toucher le fond. On se demandera si les Girondins vont toucher le fond contre l'AS Monaco dimanche. Moi, je dis pas sûr qu'on touche le fond à ce moment-là. Je pense qu'on n'y est pas encore. Messieurs, qui c'est qui commence? On va se faire les enseignements. J'ai envie de garder Samuel pour la fin des enseignements parce qu'il va partir et il va tout défoncer. On va commencer... c'est comme les pâtes, quand tu les oublies que tu as l'apéro, l'eau va bouillir, va bouillir, va bouillir. Tu risques d'en avoir à côté. Allez, c'est parti. J'affiche la bannière, les enseignements. Gino, on t'écoute. Quels sont les enseignements après ce Saint-Étienne-Bordeaux et cette défaite? Ben moi, Nico, il y en a un gros hein, pour moi de ce dimanche. C'est la honte, une nouvelle fois de plus, après un match indigne où tu vas à Saint-Étienne, une équipe normalement qui est de ton niveau, et tu arrives quand même à en prendre 4 en ayant des discours après le match qui sont calamiteux. Hein. Je vais prendre Paul Bayce en premier exemple, hein. ça va lui tomber un peu dessus, mais quand j'entends Bayce nous dire qu'on est à deux doigts de ne pas être loin de quoi que ce soit, moi ça m'énerve. Gassé, pareil, qui dit les joueurs sont ciblés, le staff est ciblé, oui, c'est normal. Vous êtes à la rue, donc quand on est à la rue, eh bien, dans un club comme Bordeaux, on est tensé, ce qui me paraît la moindre des choses, et on le voit. Donc moi, j'ai eu beaucoup de honte par rapport au match de dimanche, par rapport aussi aux réactions qui ont suivi derrière, et je trouve qu'on s'enfonce de plus en plus dans une crise, sachant que le propriétaire et le président délégué ne veulent rien changer apparemment. Je pense qu'on va vers quelque chose qui va être très compliqué par la suite. Et comme d'habitude en Ligue 1, hein, pour y revenir aussi par rapport à tout ce qu'on dit toutes les semaines, la seule chose qui nous a un peu sauvé le week-end, c'est que de voir les concurrents qui ne gagnent pas encore. On se demande s'ils gagneront un jour, hein, ces équipes que sont Nantes et Nîmes. C'est ce qui va nous sauver encore une fois en Ligue 1. Mais pour le reste, c'est une honte. Tout ce qu'on voit des Girondins et tout ce qu'on entend, pour moi, c'est honteux. Bon, écoute, très bien, concis. Joe. Mais moi, c'est pareil, c'est comme Gino, j'ai sensiblement un seul enseignement, parce qu'après, le reste, ça va être de la répétition qu'on fait depuis 10-15 matchs. Moi, je commence juste à me faire l'idée que l'an prochain, on va jouer en Ligue 2. Gassé, il a tenté un nouveau système, il a sorti de Préville Ben Arfa, il a remis Benito, qui est revenu avec une défense à 4, qui est revenu de suspension. Il essaye un bloc plus bas, puis un changement de système, un coaching en début de seconde mi-temps pour essayer de faire quelque chose. Mais c'est un fiasco de plus. On voit qu'il ne se passe rien, que le staff n'a plus d'idée, que les joueurs sont complètement largués. Pareil, je rejoins Gino sur la réaction de Gassé, de Bayce, de Roche. J'ai l'impression que c'est déjà fini en fin dans leur tête aussi. Voilà, il reste solution du changement de coach, mais à 6 matchs de la fin, moi, je ne vois pas trop l'intérêt maintenant. J'ai la sensation qu'on a dépassé en fait, le point limite pour pouvoir encore sauver quelque chose. Moi, c'est, vous savez, Armageddon, il parle de l'orbite zéro à un moment donné avant que la comète arrive et détruise la Terre. J'ai l'impression qu'on a déjà dépassé en fait l'orbite zéro et que quoi qu'il arrive maintenant, c'est foutu. Donc, mon dernier espoir, c'est juste les matchs qu'on va avoir contre Lorient et Nantes, qui sont les deux rares équipes qui sont derrière nous qu'on va affronter. Si on arrive peut-être à ne pas perdre, je dis même pas gagner, peut-être à ne pas perdre contre ces équipes-là, peut-être qu'on se sauvera miraculeusement, mais je commence à préparer psychologiquement à être en Ligue 2 l'an prochain, clairement. Voilà. Ah oui, putain, Joe, t'es alarmiste parce qu'on a quand même, je rappelle, 6 points de. Mais bon, on peut l'être, hein, je dis pas qu'il. Mais c'est vrai que là, tu changes de discours par rapport à la semaine dernière. Non, mais c'était aussi largué que nous, voire pire en début de saison, et ils nous en mettent 4. Et tu vois que l'équipe n'a pas de réaction, et quand tu vois les réactions derrière, je me dis, en fait, c'est fini. Moi, franchement, les discours, c'est surtout les discours derrière que j'ai vus après ce match-là. Je me suis dit, bon, mais c'est mort. Voilà. Donc là, la question, ce que j'affiche là à l'écran, on est en alerte rouge, chef. Pour toi, on a passé l'alerte rouge là? Ah, mais pour moi, c'est maintenant. Moi, je en fait, je vois pas ce qui pourrait nous sauver maintenant, en fait. Malgré les 6, la seule chose, c'est les 6 points d'avance, c'est que les autres ne gagnent pas derrière. Et à un moment donné, Nîmes, alors Nantes, je pense que c'est foutu pour eux. Mais Nîmes, je les vois bien entre guillemets faire quelque chose. Et après, il te reste Lorient. Et Brest qui a le même nombre de points que nous. Brest, ils vont gratter des points pour arriver aux 40 points. Je ne m'inquiète pas trop pour eux parce qu'ils font un match qui est quand même. Ils méritent de gagner contre Nîmes sur le match que j'ai pu entrevoir. Parce qu'à 3-1 pour Saint-Etienne, j'ai changé, j'ai regardé Brest-Nîmes pour voir ce que faisait Nîmes à ce moment-là. Il restait 20 minutes. Hein. C'est Brest qui méritait de gagner plus que Nîmes, clairement. Mais
voilà, à part les autres, nous, si on se concentre sur nous, je ne vois pas où on va prendre des points. Ah, mais on a une belle gueule de 17e actuellement, il a raison, tu vois. On a une belle gueule de relégable, d'équipe qui, en fait, est 17-18e. Ben oui, 17-18e, tu as une gueule de 17-18e. Pas mieux. De relégable, d'équipe qui va descendre en Ligue 2. C'est moi, les discours que j'entends de Baïs, de Roche et Gassé, ça me fait penser à des discours de clubs qui vont descendre, enfin, qui sont descendus par le passé plutôt. Et là, on est en plein dedans. Et je vois pas comment on pourrait s'en sortir. Voilà. Allez, Samuel, tes enseignements, ton avis sur le match. Allez, vas-y, on t'écoute. Depuis tout à l'heure, je hoche la tête un peu comme un petit chien à l'arrière d'une voiture, mais c'est parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et que je partage le même sentiment que Joe, par exemple. C'est que pour moi, franchement, on y va. Hein. À 200 à l'heure, je le disais moi hier à la fin du match, on y va à 200 à l'heure. Le match d'hier, il est symptomatique de beaucoup de choses. En plus, c'est un match où tu as de la chance parce que tu as un pénalty qui ne doit jamais être validé. Et tu arrives à ouvrir le score avec Wang en plus qui... malgré l'attente et tout, va te le mettre. Enfin, tout est fait pour que tu bloques, quoi. Et après, Bayes, à la fin du match, il dit « Oh ouais, on s'était dit qu'on prendrait pas de but, on en a pris 4. Ouais, » C'est symptomatique. C'est pour ça, en fait, je vais même pas décrire le match. Tout le monde l'a vu. Je pense que tu disais, Nico, vous étiez énormément hier sur le débrief. Ça prouve que tout le monde a envie de parler de cette performance. Tout le monde a vu ce match. Je vais même pas me pencher sur ce qu'on a vu, décrypter, etc. Ça sert à rien parce que il y a même quelques séquences qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs semaines sur certaines occasions. Mais il y avait 3-1 ou 4-1. Donc, c'est des choses que tu peux même pas tirer comme enseignement positif ou négatif. Mais dans les choses qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est Gassé, c'est terminé. Ça y est, il a plus rien dans la besace, hein, l'ami Gassé. La composition, c'est vraiment pique-nidouille, c'est toile en douille pour savoir qui va être titulaire. Faut vite arrêter les frais, hein. Moi, pour moi, il aurait dû démissionner hier soir. Le club, on l'a bien compris, c'est comme avec Paulo Sousa cet été, ne le virera pas parce qu'on sait jamais, ça peut coûter plus de 5 ou 10 euros, donc on le fera pas, et il veut le faire porter le chapeau à l'entraîneur, mais Gassé, faut qu'il s'en aille, c'est terminé. Son message est mort, sa gestion est morte, il ne peut plus rien faire aujourd'hui. Si Gassé reste l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Bordeaux restera à 36 points à la fin de la saison. Va falloir qu'il y ait une nouvelle personne qui prenne les rênes de l'équipe, je pense, à l'intérieur du club, parce que c'est trop compliqué de faire venir quelqu'un d'autre, et va falloir mettre des cadres de côté, parce que les cadres, on a beaucoup été, comment dire, on a été assez indulgents avec eux. Mais Costil, Baïs, Koscielny, par exemple, la triplette là derrière, il n'est pas possible leur match. Hein. Et quand je dis leur match, c'est avec un S, parce que c'est pas qu'hier qu'on a vu une prestation qui est vraiment pas solide de leur part. On se rappelle notamment du match de Metz où Baïs, il a reculé jusqu'à que les Messins égalisent. C'est vraiment problématique leur attitude. Moi, c'est des mecs, franchement. Surtout après l'épisode de samedi où ils ont discuté avec les ultras, les voir lâcher aussi rapidement le match hier, mais ça veut dire beaucoup de choses sur leur comportement. On en apprend beaucoup. Donc là, ça devient problématique. Il y a les joueurs qui doivent plus jouer. C'est pour ça qu'il faut un nouvel entraîneur. Jimmy Briand, c'est terminé. Déjà parce que sa saison, entre le plan de « on veut pas te renouveler ton contrat parce que sinon on doit te payer », entre le plan de « la justice annule ton contrat bah, par rapport à Guingamp », etc., Il n'y est plus, donc stop, faut arrêter. De Préville, merci Dijon, mais il n'y est plus non plus, mais lui, ça fait 6 mois, faut arrêter. Atem Ben Arfa, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais faut arrêter, c'est bon. Lui, il le fait comprendre à chaque match, c'est terminé. Thomas Bazic, c'est terminé pour une simple question de d'implication. Il n'y est pas, il n'a pas envie. On peut nous dire aussi à quoi sert Roche, parce que c'est vrai que moi j'étais surpris hier de le voir sortir des vestiaires, mais je me suis dit, il y a peut-être une explication, il est peut-être intendant en fait dans son rôle, c'est peut-être ça qu'il est venu faire à Bordeaux, distribuer les maillots, aller chercher les bouteilles d'eau à mi-temps. Je me dis que c'est peut-être le rôle où il serait le plus efficace. Et bon, voilà, c'est pas des choses qu'on a découvert, c'est pas des enseignements, ce que je dis depuis tout à l'heure, mais le principal enseignement de ce match, pour terminer, Nico, il est là finalement. C'est que Bordeaux ne lutte pas pour le maintien, Bordeaux ne joue pas le maintien. Bordeaux espère le maintien, parce qu'aujourd'hui, les seules équipes qui peuvent maintenir Bordeaux, et Joe l'a dit avant moi, il a parfaitement dit, c'est Nantes et Nîmes. J'ai même envie de te dire, c'est plutôt les adversaires nîmois, parce que Nantes, je pense qu'ils sont morts. Sauf si après il y a que 7 points, hein, donc c'est pas non plus mort pour eux, mais sauf s'ils nous battent et qu'ils arrivent à faire un ou deux résultats, mais je pense que c'est compliqué. Mais Nîmes,
Il y a le mental. Hein. Nîmes, il y a le mental. Ce que Bordeaux n'a pas. Nîmes, c'est une équipe. C'est une équipe qui ne gagne pas, mais c'est une équipe. Bordeaux, ce n'est pas une équipe. Bordeaux, ce n'est plus une équipe. Et ça, c'est très dangereux. Donc, j'espère vraiment que les adversaires de Nîmes vont faire le boulot. Et à chaque journée, on perd des points d'avance qu'on a sur le 18e Nîmois. Parce que si on regarde le calendrier, on peut très bien se retrouver à 3 points de Nîmes le week-end prochain. C'est faisable parce qu'on va perdre, on le sait. À moins qu'il change quelque chose cette semaine et encore. Après, ça peut arriver les paradoxes avec Bordeaux, on en a eu beaucoup. Hein. Mais si on prend ne serait-ce qu'un point contre Monaco, moi, je ne fais pas l'émission lundi prochain, je te le dis. Parce que ce ne sera pas normal, j'aurais rien à dire de logique. Ce sera pas normal. Mon analyse sera pourrie dans tous les cas, donc je dirai rien. Non, mais on le sait. On avait annoncé la défaite dans toutes les émissions sur la chaîne. On avait dit que Bordeaux ne gagnerait pas. Sans changement, Bordeaux ne gagnera plus un match. Moi, je le redis ce soir. J'ai pas peur de le dire. J'ai déjà dit. Et surtout, tout le monde dirait 6 matchs. Non, il en reste peut-être 8. Et moi, c'est les deux derniers qui me font le plus peur. Parce que si jamais on est, je pense pas qu'on sera 19e, sauf encore une fois, même si rien n'est impossible, hein, je pensais pas qu'on terminerait derrière Saint-Étienne, et pourtant ça va le faire. Hein. Alors que Saint-Étienne, ça fait 2 ans qu'ils frôlent avec la relégation. Et hier, ils nous ont mis une branlée. D'ailleurs, je voulais regarder avant l'émission, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais regarder depuis quand Saint-Étienne n'avait pas mis 4 buts à une équipe en Ligue 1. Parce que je pense que depuis l'année où ils avaient fait une bonne saison avec Gassé, je pense que ça fait très longtemps. Mais sincèrement, ce qui me fait le plus peur. Parce que on est en train de le comprendre là sur les heures qui viennent de s'écouler, Bordeaux va terminer la saison telle quelle. On discutera de ce choix plus tard d'ailleurs. C'est-à-dire telle quelle avec Gassé. Avec l'entraîneur actuel, avec le directeur. Moi je pense qu'ils peuvent le virer à 2 jours de la fin. Pour l'instant Samuel, mais après on sait pas malheureusement. Moi je pense comme Samuel. Tout le monde est unanime. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a une personne, moi, aujourd'hui, qui m'a dit qu'il faut attendre Lorient. Oui, quand il restera 2 matchs pour le virer. Mais malheureusement, ils vont réagir. Ils vont réagir comme ça. Mais non, mais Gino, si tu réagis aujourd'hui, parce qu'après Monaco, on est d'accord. Et eux, ils n'ont pas la compétence pour être dans ce milieu-là. C'est pour ça que je te dis que pour moi, ils ne vont pas réagir du tout. Parce que. Si, ils seront obligés, tu verras. Ils ne le feront pas après le match de Monaco, parce qu'après le match de Monaco, ils le feront championnat. Non, mais après le match de championnat, après le match de Monaco, ils ne le feront pas. Et je ne pense pas qu'ils le feront après le match de Lorient, par exemple, où il restera 4 rencontres. Je ne pense pas. Si, parce que tu as un mec comme Roche, à mon avis, là-dedans, qui se sentira obligé de dégager. Roche. Moi, j'ai été très gentil avec lui au début. Je ne voulais pas le critiquer, mais il ne sent rien. Il ne sent rien, encore une fois. Non, mais on est d'accord. Mais je sais que tu ne le défends pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, Roche, il ne prendra aucune décision. Roche, il est venu en se disant… J'arrive, il faut avoir un poste de directeur sportif, mais j'ai pas le sentiment qu'il ait envie de prendre des initiatives et de prendre parti surtout. Parce qu'à un moment donné, je sais, alors peut-être que je me trompe et qu'il est très, très véhément avec sa direction, mais dans ce cas, il aurait démissionné si c'était le cas, parce que ça veut dire que sa direction lui aurait donné aucun moyen. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, moi, je les vois pas prendre cette décision, parce que s'il devait la prendre, c'était hier soir ou aujourd'hui. Ou demain, peut-être qu'il reste encore demain pour moi. Mais au plus tard, il faut que ce soit fait demain soir parce qu'après, il faut que tu aies la journée mercredi pour trouver ton coach, même si je pense que le coach, il est dans le staff. Tu finis la saison en interne. Mais faut-il encore qu'il prenne cette décision ? Tu finis la saison avec Plasil Chalmé, Plasil Mavouba, avec 2 anciens. Plasil Chalmé, préférence parce qu'ils se connaissent mieux. Mais je veux dire, tu l'as ta solution en interne et tu es obligé parce que tu vas faire quoi ? Tu vas prendre qui ? Pascal Duprat ? Je préfère aller en Ligue 2 tout de suite, franchement. Sincèrement, je préfère y aller tout de suite. Même si il nous sauve un argent, je préfère y aller quand même. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Mais pour moi, je pense qu'on ne le verra pas. Je pense qu'ils vont rester tous. Et qu'à la 38e journée, ils nous sortiront une excuse bidon. Parce que là, pour moi, entre on est en alerte orange vendredi et hier, nous dire ouais, ça va peut-être pas super bien en ce moment. En fait, ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience. Et moi, Gassé, ça me déçoit encore plus parce que je pense tout le monde ici, on est 5, sur le chat, je sais pas combien ils sont, mais je pense que c'est pareil. Gassé, on a une affection particulière. C'était l'adjoint de blanc, c'était la grande gueule, etc. Enfin, ce mec-là, on voulait pas que ça soit comme ça aujourd'hui. Et moi, rien que pour ça, parce que déjà aujourd'hui, je commence à avoir vraiment du mal avec lui, mais juste pour pas que ce soit le coupable de la descente, même s'il le sera dans tous les cas un petit peu s'il y en a une. Qui s'en aille, vite, va-t'en. Même si tu prends 0€, va-t'en. Va rejoindre Laurent Blanc. Oh, c'est bon, on va te faire 6 mois. Oh, tu vas voir, ça,
tu vas revenir à la maison après, tu pourras faire un deuxième salon. Donc voilà, va te faire six mois au Qatar, tu vois. Mais il faut bon. Qu'il s'en aille, il faut vraiment qu'il s'en aille. Gassé, est-ce que donc bon là, on fait tous le même constat quoi. Je veux dire la direction, mais il y a quelque chose que tu as dit, Gino, qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas la compétence pour prendre les bonnes décisions. Non, mais bien sûr que non. Mais tu le vois déjà. Longuepi, il a parlé quand aujourd'hui. T'imagines? Non, ouais, hier et aujourd'hui. Est-ce qu'on imagine que ce mec, il a été invisible pendant je sais pas combien de mois, alors que il voyait bien que la situation était en train de pourrir, vu que tout ce qu'ils ont fait aussi, parce qu'ils en sont pleinement responsables. Mais quand tu es un minimum un président d'un club de foot qui doit être là, qui doit être présent, qui doit communiquer, et ton directeur sportif avec, que tu en es incapable, et que maintenant tu commences à tirer la sonnette d'alarme, alors que le club, il coule, parce que l'équipe, elle n'y est plus du tout, l'entraîneur, il n'y est plus du tout, il n'a plus les armes. Il le dit lui-même, j'ai plus les ressorts. Il dit, on cherche des ressorts. Mais non, en fait, c'est toi en fait qui dois être en plus en capacité, psychologiquement, avec la carrière que tu as dans Louis, de pouvoir tirer ce coup. Même dit il en a plus la il ne veut pas agacer, il ne veut pas parce que là j'étais sur l'aspect affectif, mais il faut être aussi sur l'aspect résultat. On voit rien avec Gassé, on voit rien. Qu'est-ce qui s'est passé en début de saison? On a eu une bonne période parce qu'il y a eu Ben Arfa qui est arrivé et que Ben Arfa, comme nous disent ses plus grands défenseurs, c'est un joueur mythique, etc. Sur une période, s'il se sent bien, il va faire du bien. C'est ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est qu'on a vu une bribe de quelque chose quand il n'a pas été là parce qu'il s'est dit sur 3 matchs, il faut que je fasse quelque chose. Et derrière, ça a explosé quand il est revenu. Parce que sur les 3 matchs, malheureusement pour lui, il a affronté des adversaires, Lorient et Nice notamment, qui lui ont, enfin, surtout Nice parce que contre Lorient, le match est horrible, qui lui ont permis de faire quelque chose et qui ont permis de donner confiance à l'ensemble du groupe en se disant on pouvait s'en sortir sans Ben Arfa à un moment donné cette saison. Et quand Ben Arfa est revenu à l'épisode Marseille, je ne vais pas tout vous refaire, etc., là, ça a explosé. Et depuis Jean-Louis, il est complètement perdu. Comme on dit aujourd'hui, il est dans une sauce monumentale, salée, sucrée, qui porte à ébullition, tout ce que vous voulez, et il s'y retrouve plus du tout. C'est terminé. À un moment donné, s'il y a des gens qui ont vu les derniers matchs de Bordeaux, Dijon compris, qui arrivent à me dire qui trouve que Jean-Louis Gassé a maîtrisé son match, a mis en place quelque chose qui a été travaillé, a réussi ses choix en cours de match. Parce que je crois que c'est ça le pire. S'il y en a un qui arrive à me dire ça sur une rencontre, à m'en citer une seule, bah il est fort. Parce qu'à un moment donné, le foot, c'est pas que des résultats, c'est pas que des stats, mais les stats, elles parlent. On va pas le rappeler. Hein. 4 points pris sur 11 journées. Joe, tu voulais parler des leaders? Pas de leader. Il l'a dit, il a signé à Diabaté. Lui, il a signé à Diabaté, il a de l'expérience. Hein. Il a dit, il n'y a pas de leader dans ce vestiaire. Ça fait un moment aussi que les leaders, surtout, ne sont pas reconnus. Les soi-disant leaders ne sont pas reconnus et tu sens que les fameux leaders ne répondent plus non plus. Donc, ça, on le dit souvent, que les leaders ne répondent pas ou répondent complètement à côté, comme on a pu le voir Bayes après le match. Moi, après, ce qui m'effraie un petit peu et qui fait que je fais ce constat tout à l'heure dans mes enseignements, c'est que les faits de jeu aussi du match vont complètement en notre défaveur. On a un penalty, on ouvre le score. J'ai déjà vu des matchs de Saint-Etienne où dès qu'ils prennent un but, ils s'effondrent, Monaco, Lens, etc. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois cette saison. Ils prennent un but à 5e minute de jeu. D'habitude, ces équipes-là s'effondrent. Bizarrement, comme on a un penalty qu'on obtient qui n'est pas juste, mais c'est arrivé à Saint-Etienne et pendant un quart d'heure, ils jouent, ils nous mettent de but et après, on est cuit. Donc, tu as plein de faits de jeu comme ça aussi qui te font que ben, ça ne tourne pas du tout en notre faveur, même si au départ ça paraît être à notre avantage, ça va se retourner contre nous. Et les fameux leaders, justement, dans ce cadre-là, les Koscielny, les provoques, Bay, Justice, tout ça, ils n'ont pas réussi. Oui, non, mais après, c'est la faute d'arbitrage qui ne la provoque pas au départ. Ouais, mais les largesses que tu laisses à Caserie 2 fois, tu vois, tu les provoques, ça, à un moment donné. Non, mais c'est ce que j'allais te dire, Samuel, justement, tu ne vas pas laisser finir, mais en gros, j'allais te dire que derrière, la gestion des leaders, justement, les Koscielny, les Bay, etc. Ben, ils n'ont pas su justement stabiliser tout ça parce que Saint-Etienne, on peut le mettre un deuxième but en 5-10 minutes et c'est réglé le match. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, à ce moment-là, l'équipe, les leaders, tout ça, personne n'a su justement gérer ça et anticiper ça. On l'a vu, voilà. Et Saint-Etienne a joué un quart d'heure, ils ont mis 2 buts. Hein. Voilà. Bonan, il y a une question, tu peux la lire. C'est une question de Fulglance sur Twitch. Une heure sur Twitch où on est très peu de monde sur Twitch. Donc merci de nous regarder sur Twitch. On existe sur Twitch. Je te laisse la lire, Conan. Ah, on a perdu Conan. Il n'y a pas de son. Conan. Ah oui, il a coupé son micro. Voilà. Désolé,
Je te disais, j'ai pas retenu cette question-là, j'en avais une autre. Je pose celle-là et après tu poses la sienne. Il dit, Nico, peux-tu demander aux interlocuteurs pourquoi ils mettent tout sur le dos de l'équipe et pas sur l'actionnaire? Parce que... On le dit, Fulgence, c'est faux. C'est faux, merci, Gana. Merci. Non, mais ça, Nico. C'est un moment donné. Et longue épée. Non, mais Nico, est-ce qu'on peut juste dire quelque chose pour tous les supporters bordelais qui nous regardent? Bah, allez-y, répondez l'un après l'autre, qu'ils entendent bien, que vous ne parliez pas ensemble. Allez-y. Tous les supporters bordelais qui parlent constamment avec nous sur les réseaux sociaux, dans l'émission, etc. S'il vous plaît, les amis, ça fait 2 ans qu'on parle de la gestion de Kickscreen. Dire que le club de Bordeaux est mal géré, c'est comme dire qu'aujourd'hui, on est lundi. C'est une vérité, on sait. On va pas à chaque fois qu'on doit analyser une performance mettre un alinéa en disant oui, et parce qu'on sait que Longuepée est un tocard et parce que l'équipe qui est avec lui ne sait rien faire. Je peux pas. Enfin, en fait, à chaque fois qu'on va faire une analyse, c'est pas possible parce que on le sait. C'est encore voilà, je viens de le dire. Je vais pas le répéter. Mais par contre, c'est pas parce que Longuepée fait très mal son travail, King Street aussi, qu'on peut pas critiquer les autres qui le font très mal aussi et qui ont pas de circonstances atténuantes par rapport à ça. Donc, à un moment donné, faut juste arrêter de nous casser les pieds avec ça. Les supporters se battent constamment et mettent en lumière ce combat et le font avec, de manière pacifique et il faut le rappeler, c'est très bien, merci à eux. Nous on le rappelle à chaque fois qu'on parle de la situation du club, mais quand on doit parler de jeu et notamment du cas de Gassé, on ne va pas rappeler que Longuepée est un mauvais président, non, parce que là on parle de Gassé qui actuellement est un mauvais coach. Là, si vous voulez, tout est lié, mais voilà, bon, t'as tout dit, on va pas. Alors, bien sûr, c'est la faute à l'actionnaire. Bien sûr qu'ils ont mis des gens qui connaissaient rien au foot. On va pas refaire l'histoire. On l'a fait tous les lundis. Donc là, on parle du sportif et comment sauver Bordeaux de la relégation. Donc t'es obligé d'agir sur le sportif. Et ce qu'a dit Gino, et ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pas qualifiés, ils ont pas les compétences pour changer. Parce que dans n'importe quel autre club, ils sautent Gassé. Soit ils sautent. Et moi, ce que j'attends, c'est qu'ils partent de lui-même. Je m'énerve un petit peu. C'est ce que j'ai dit hier dans le débrief. Il devrait dire, écoutez, moi, j'ai pas la solution aujourd'hui, j'aime les Girondins de Bordeaux, si c'est moi le problème, je m'en vais. Je vous demande pas les 1 an de contrat, parce que les 1 an qui restent, on va pas me le dire, il a pas besoin de ça pour vivre, hein. Il peut loger sa famille, ses enfants, ses petits-enfants avec tout l'argent qu'il a gagné. Je pense plus que tous ceux qui nous regardent. Il peut aller rejoindre Laurent Blanc dans le club. Voilà, okay, voilà. Mais s'il aime les Girondins de Bordeaux, et bien qu'il le dise, moi j'y arrive pas avec mon staff, on arrête, on passe la main, parce que ce qu'on veut, c'est pour le bien du club, et on va être... Je vais employer un gros mot, on va être moins con que vous tous, là, la direction, et on va se barrer et on les laisse, parce que nous, on en a plein le cul, quoi. Voilà. Et maintenant, vous vous démerdez avec votre club Bordeaux-Girondins, là, mais nous, on n'assumera pas la responsabilité de descendre en Ligue 2, et ils démissionnent, et c'est comme ça, et c'est tout, quoi. Mais bon, pour ça, il faut du courage. Et Nico, voilà. Et juste quelque chose, parce que on pourrait, pour que Fulgence soit content et que... Pardon, je me suis énervé. Non mais t'as raison, à un moment donné. Non, mais à un moment donné, Nico. Je ne vais jamais s'excuser d'ailleurs. On est journaliste. Je te rappelle, Nico, c'est le rôle de Samuel, ça. Non, mais même pas. Mais oui, mais au-delà de ça, mais c'est parce que on est journaliste. On est journaliste, certes, donc il y a un certain devoir de neutralité, etc. Mais on est aussi là pour faire des débats et supporters aussi. Non, et pour exactement. Et non, mais pour faire ces débats et pour avoir une sensibilité, on suit des clubs, on est observateur. Donc quand on s'énerve sur le niveau du football général ou sur le niveau d'une équipe qu'on suit depuis des années, eh ben on est parfaitement légitime pour le faire. Et c'est pas parce que Nico dit ça que demain matin, s'il doit interviewer Longuepée ou Gassé, il le fera pas avec toute l'impartialité que ça demande. Donc juste voilà pour mettre une parenthèse sur ça. Et juste pour dire quelque chose sur la direction. L'interview sera refusée de toute façon. Toutes les demandes qu'on fait sont refusées. Oui, bah attention, on l'a vu. Et puis vaut mieux pas qu'il communique parce que sinon il va sortir son tableau Excel, il va dire alors l'année 19. 20, nous avons fait but contre, enfin bref, on n'en a rien à faire, c'est pas ça qu'on lui demande. Et juste pour revenir et pour parler du club, comme ça ils seront contents, ceux qui ne veulent parler que de ça, qui depuis 2 ans ne sont focalisés que sur ça et ne voient même plus les matchs parce qu'il n'y a que ça qui les intéresse, ce qui est dommage parce qu'il y a plein de problèmes aux Girondins, celui-là on est un gros, mais il y en a plein autour aussi qu'il faut connaître. Juste pour leur dire quelque chose, c'est que là où ils ont raison, c'est que Longuepée et toute la bande là, à un moment donné, on a compris que le sportif, ce n'était pas leur problème, que terminer 7-8e ou plus haut, ce n'était pas un souci. Par contre, leur intérêt, c'est de revendre un jour le club et de revendre surtout toutes les valeurs marchandes qui composent l'effectif. Ben, les amis, vous êtes en train de nous envoyer en Ligue 2. Là, on va bien se marrer parce que le club, il vaut peanuts si tu arrives en Ligue 2. Et puis, tes joueurs, là, déjà, tous ceux qui sont en fin de contrat, ils sont partis, mais tous ceux qui ont petite valeur marchande, ben, ils valent plus rien. Rémi Houdin, tu l'as acheté 10 millions l'an dernier, il vaudra 3 millions. Ah, Yacine Adli, tu l'as acheté 5 millions, il appartient à 40% au PSG, tu le dealeras 4-5 millions, etc., etc. Donc, ils vont se retrouver, eux aussi, hein. Ce sera triste pour les supporters parce que nous, on restera à vie. Mais eux qui étaient venus pour se gaver, ils vont repartir une main devant, une main derrière,
et le portefeuille sera vide et ce sera bien fait pour leur gueule. Et s'il faut en trouver un soupçon de satisfaction dans cette implosion du club, ce sera qu'eux se fassent bien niquer. Voilà. Ouais, ben, t'as l'impression qu'il joue à qui sera le plus con, en fait, entre guillemets. Hein, voilà. Ouais, bah, alors là, ensemble. Un peu, on l'a vu entre Sousa et Longuepé, ça a duré 70. 2 mois l'histoire. Ouais. Bon, les gars. 21h01, Diego Rolán va arriver. J'ai eu un petit message, il a fini l'entraînement. Et on accueille Marcine avec nous. Marcine, bienvenue à toi, comment ça va? On t'entend pas, Marcine. Ah, on l'entend pas. Ah, on t'entend pas. Il a parlé du meilleur entraîneur de Bordeaux ces 3 dernières années, quand même. Oui, de Paulo Sousa. Non, on t'entend pas, Marcine, je sais pas pourquoi. Il a été boycotté, à mon avis, parce qu'il allait parler de Sousa et tout. Ouais. Voilà. Il y en a qui ont dit qu'il a... C'est encore Longuepé, cet enfoiré. Non, on t'entend pas. Peut-être déconnecte et reviens. Déconnecte et reconnecte, peut-être. Tu peux même sans ton casque, peut-être. Parce qu'on va parler de Sousa. Voilà. En attendant, je veux juste revenir là-dessus pour juste terminer sur le sujet. Il y a Loïc qui a dit, et pour rebondir là, au lieu de répéter ce qui est déjà depuis longtemps... Peut-on se projeter si on est maintenu? Ce qui revient à la question aussi de Ecstasy, est-ce qu'ils vont vraiment investir cet été? Et c'est quand même rigolo parce que leur histoire de on va réinvestir les transferts, etc. Mais Tchouaméni, déjà, il n'est vraiment pas dit qu'il parte. Moi, je ne pense pas qu'il partira. Sauf off irrefusable pour Monaco, mais il ne partira pas, je pense, Tchouaméni. Koundé, je pense qu'il va partir quand même. Mais à voir, pareil, parce que les transferts aujourd'hui, on est en pleine période de Covid. Combien on va toucher sur les transferts? Parce que même s'il part, je sais pas moi, City 60 millions, même si City ça a l'air bouché un petit peu. City 60 millions, donc on touche 20%, c'est ça, hein? Ou 10, je sais plus. Ouais. 20. Mais si le paiement, le paiement il est étalé, ou si c'est comme ça se fait de plus en plus, un prêt avec option d'achat obligatoire, un an après, etc., ben l'argent on le touchera pas de suite en fait. Donc leur histoire de. On va réinvestir en gros l'argent qu'on n'espérait pas gagner. Mais non, mais en plus, comment c'est et c'est une manière lâche de dire fera un mercato que si les autres vendent. C'est dégueulasse. Tu vas combler les pertes, tu vas investir sur des joueurs, ils ont annoncé déjà des choses énormes. Entre 1 million et 3 de transferts, pas plus. Des salaires à moins de 100 000 euros. Non, mais hey, c'est. Mais ça peut être 2. Non, mais c'est quoi en fait? On joue la 10e, la 2e place de Ligue 1, on va en Ligue 2. Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons. On sait très bien qu'ils n'en veulent plus du club et qu'ils vont être en grande difficulté. Tu l'as bien dit, Samuel. Si on va en Ligue 2, ils vont être dans la merde. Donc, déjà qu'ils n'investissent pas, moi je ne vois pas comment ils pourraient réinjecter de l'argent alors qu'ils n'en ont rien à branler du club. Salut, vous m'entendez? Salut Marcine, ouais, bienvenue à toi. Ravi de t'accueillir avec nous. Ça fait plaisir de te voir. Ça va, comment allez-vous? Ben bien, et toi, toujours en Écosse? Ah, toujours en Écosse, mais désespéré après le match de Girondins, après chaque match de Girondins, donc je ne sais pas quoi dire, c'est la honte. Donc vive la saison prochaine, on ne sait pas si c'est Ligue 1 ou Ligue 2, mais voilà, donc rien à dire. C'est franchement, le jeu proposé par le Girondins, c'est... Truc de ouf. Bah oui. En tout cas, je te présente, tu es supporter des Girondins, tu es de nationalité polonaise et tu vis en Écosse. Oui, tout à fait. C'est bien ça. On avait fait une émission ensemble lors du confinement, je crois, l'année dernière. Oui, oui. Tu as la gentillesse d'être avec nous pour nous parler de Paulo Sousa. Alors, on va un peu débrancher Girondins. Malheureusement, oui. Ouais. Et tu vas nous parler de Paulo Sousa parce que c'est un entraîneur qui a énormément divisé les supporters sur son jeu, sur sa façon de voir le football. Et comme toi, tu es aussi supporter de la Pologne, j'imagine. Tu as vu les 3 matchs avec l'équipe et donc on va t'écouter. Tu vas nous dire, je vais te poser la question, ça donne quoi Paulo Sousa avec la Pologne? Donc voilà, avant l'arrivée de Paulo Sousa, après 3 matchs sous Paulo Sousa, les supporters polonais sont aussi partagés. Donc, mais il faut vite parler du contexte dans lequel la Pologne se trouvait juste avant l'arrivée de Paulo Sousa. Donc, on s'est qualifié pour l'Euro 2020. Par contre, notre groupe a été très facile avec l'Autriche, Israël, Slovénie, Lettonie et Macédoine du Nord. Donc, pour l'équipe comme la Pologne, c'était facile, au moins sur le papier.
On a gagné 8 matchs, on a eu une défaite et un match nul. Mais par contre, le jeu proposé par notre équipe était pas bon, je dirais. Mais quand même, le sélectionneur reste au poste. Et après, on a eu la Ligue des Nations. On a joué contre l'Italie, contre les Pays-Bas et la Bosnie. Donc, on avait expecté que la Pologne allait gagner contre l'Italie ou les Pays-Bas. Mais en gros, le jeu était toujours le même. Il n'y avait aucun progrès avec notre sélectionneur. Et il y avait les supporters, les journalistes, ils disaient, voilà, on fera rien avec ce sélectionneur pendant l'Euro 2020. Par contre, notre président, il a dit, non, j'ai confiance. C'était novembre dernier. Il a dit, c'est hors sujet de le changement de sélectionneur. Mais au début de l'année, il y avait une bombe qui, voilà, on était très surpris parce qu'un jour, on a eu l'information que le sélectionneur de la Pologne a été démissionné. Comme je vous ai dit, on était très surpris parce que le président, il a dit jusqu'au dernier moment, voilà, qu'il n'y a pas de sujet. Et il y avait plein de candidatures, surtout du marché italien. Mais un jour, je me suis réveillé et j'ai vu plein de notifications sur mon Twitter. Je me suis dit, Ah, tu voilà, nous fais Frédéric. l'historique là complète. Non, je me suis dit, voilà, c'est ça, c'est le jour où Frédéric Longuepin m'a choisi comme l'ambassadeur des Girondins de Bordeaux. Et non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Donc, l'un des Toi, j'ai une journalistes. question, Marcine. Est-ce Oui, que tu oui. aurais accepté, si Longuepé t'avait proposé ça, tu aurais Non, accepté? non, 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 Ah, non, non, merci. non, non, pas, non, c'est. Donc, il y avait le journaliste italien qui a donné l'info sur Twitter que Paolo Sosa est très proche de devenir le sélectionneur de la Pologne. Pour moi, c'était une blague, quoi. Parce que moi, la première chose que je fais après quand il a quitté Bordeaux, c'est je lui donnais un follow sur Twitter parce que je voulais plus le voir, tu sais. Et Ah moi, oui, d'accord. oui, Ah oui, je d'accord. oui, je me. Tu es la team Jonathan, la team Joe, hein, alors, toi. Non, mais Donc. Marcine, pour accélérer, parce qu'on va voir Diego Rolland qui arrive dans 7 minutes, ça donne quoi du coup? Est-ce que ça a été bien accueilli en Pologne, son arrivée, et au niveau du système de jeu, qu'est-ce que ça a donné? Oui, généralement, c'était bien accueilli. Voilà, on a beaucoup parlé de Bordeaux en Pologne, mais Rémy Houdin est devenu connu parce que c'était l'histoire avec son transfert. Donc, voilà, on a parlé de tout concernant Paulo Sosa. Donc, D'accord. on a joué 3 matchs. Contre la Hongrie, c'était 3-3. Contre l'Andorre, 3-0. Et on a perdu contre l'Angleterre, 1-2. La Hongrie, vous étiez mené Donc, 2-0, j'ai vu par contre. ah oui, La mais Hongrie, vous étiez mené 2-0. Il y avait 2-0 pour l'Hongrie à l'heure de jeu. Exactement, on a eu l'impression avec mon pote Johan qui habite aussi à Édimbourg que voilà, c'est typiquement Bordeaux. Parce que pendant 60 minutes et 60 premières minutes contre la Hongrie, il n'y avait aucune idée sur la pelouse. Les joueurs polonais étaient perdus. Il a fait le mauvais choix dans le 11 de départ. Par contre, ce qu'il faut dire après ces 3 matchs, Paulo Sosa réagisse bien à la mi-temps ou pendant le match. C'est un truc positif d'un côté, mais de l'autre côté, on se pose des questions s'ils choisissent bien des joueurs pour le 11 de départ. Parce que voilà, si ça ne va pas depuis le début, dans les 3 matchs, donc on peut se poser des questions. Donc il essaye la même chose qu'il faisait à Bordeaux, donc avec trois défenseurs axiaux avec 2 pistons. Donc nous on n'a pas l'habitude de jouer dans ce système en Pologne comme c'était le cas comme à Bordeaux. Mais moi j'étais sûr, moi je partageais l'opinion de Ludovico Bragnac qui disait qu'il est très curieux de voir ce que Paulo Sousa allait faire avec l'effectif
effectif quand même plus fort que celui-là à Bordeaux. Mais pour l'instant, pour être franc, après 3 matchs, on a 4 points. Donc, on aurait fait la même chose avec l'ancien sélectionneur. Et les avis sont très partagés. Parce que d'un côté, voilà, on dit que c'était trop tard de changer l'entraîneur quelques mois avant l'Euro. Mais de l'autre côté, voilà, il y a pas mal de gens qui disent donner le temps à Paulo Sousa. Moi, j'en suis pas sûr parce qu'on a donné assez de temps pour lui à Bordeaux et à la fin, c'était Bon. la mer. Donc, moi, j'ai un petit peu ce qu'on va voir pendant l'Euro parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est juste 2 matchs amicaux en juin avant l'Euro. Donc, je ne suis pas sûr, voilà, si c'était la bonne décision de notre président ou non. Donc, Gino, petite réaction à ce qu'il a dit. Tu veux lui poser une non, question pas toujours peut-être? simple parce que c'est vrai, comme il nous l'a bien expliqué, il arrive en cours avec très peu de temps quand même pour mettre en place son système et l'Euro arrivera assez vite. Donc, avec un groupe quand même plus fort, avec beaucoup de talent aussi. Hein, il y a des joueurs quand même dans cette sélection, des gros joueurs, dont Lewandowski, qui est bien sûr l'un des meilleurs attaquants au monde. Moi, je suis curieux. Je pense que les 3 premiers matchs, ce n'est pas des résultats exceptionnels, mais ce n'est pas non plus ridicule. Il ne perd que 2-1 en Angleterre, avec un système qui est nouveau. Il arrive quand même à s'accrocher et faire 3-3 en Hongrie, alors que c'était pas très bien engagé. Donc, ouais, ça m'intéresse. Sachant qu'ils auront un gros groupe lors de l'Euro où il va y avoir l'Espagne et la Suède dans leur groupe. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner, notamment face à des formations voilà, de ce type. Et on a ce côté identitaire chez Paulo Sousa dans son jeu que moi j'aime plutôt bien chez les entraîneurs. Donc je suis curieux de voir comment ça va se passer. Joe? Non, moi j'ai regardé un petit peu les compositions, j'ai vu 3 systèmes différents sur les 3 matchs. Donc il y avait 3 adversaires qui étaient complètement différents. T'as l'Hongrie qui est un adversaire, on va dire, moyen. T'as l'Andorre qui est un adversaire très faible et t'as l'Angleterre qui est un gros adversaire. Il y a eu un 3-4-1-2 contre la Hongrie, un 4-4-2 avec un milieu en losange contre l'Andorre et un 3-5-2 face à l'Angleterre. Donc tu vois qu'au milieu, déjà, l'animation était assez différente, notamment, surtout. Moi, je voulais juste poser une question à Marcine. On sait que Paulo Sousa, son système est basé beaucoup sur les pistons et sur la possession. Est-ce que tu penses que la sélection de la Pologne a les moyens, justement, de pouvoir avoir la possession du ballon et a les joueurs pour avoir justement ces pistons à droite et à gauche? J'ai vu que c'était Ribus, je crois, et je ne me rappelle plus latéral droit qui joue à Gênes, Berezinski, si je ne dis pas de bêtises, du coup. Berezinski, Voilà, Berezinski. C'est vrai que voilà, quand on jouait piston, est-ce que c'est parce que Ribus, j'ai pas le souvenir qu'il pouvait jouer piston gauche, donc latéral gauche, oui, mais alors piston, c'est encore autre chose. Est-ce que tu penses que ces joueurs-là peuvent occuper justement cette position de piston? Et est-ce que l'équipe de la Pologne, techniquement, a la possibilité d'avoir la possession sur leur match? Parce que contre l'Angleterre, ils ont eu que 30% ou 35% de possession, j'ai vu, ça a été très compliqué pour eux à ce niveau-là. Voilà, c'est ça le problème. On jouait toujours avec contre-attaque sur les grosses équipes. On n'a pas l'habitude, comme tu as dit, d'avoir le ballon. Donc, ça va pas être facile pour nous, pour le joueur, surtout de jouer avec la tactique, avec 3 défenseurs centraux. En ce qui concerne les pistons, ses choix sont aussi un peu bizarres. Voilà, il met des joueurs sur cette position qui savent pas comment jouer sur ce fragment de la pelouse. Donc, moi, je ne suis pas sûr. Normalement, les Polonais ont joué toujours avec quatre défenseurs. On a l'habitude de jouer avec quatre défenseurs. Donc, c'est vraiment difficile d'imaginer, voilà, de jouer, je dirais pas contre l'Espagne, mais quand même contre la Suède, ça va être pas facile. Donc, on verra peut-être, il va changer la tactique ou ça va pas, ça va, c'est pas beaucoup de temps pour le joueur, voilà, de comprendre sa vision de football. On verra, voilà, si ça va marcher ou non. Donc, Bon, ben Marcine, je te remercie. On a Diego Rolland Je qui est arrivé. Je vais t'en prie. l'intégrer. Bonsoir Diego et Merci. bienvenue.
en direct dans le talk sur Web Girondin. Ça va, Diego ? Bonsoir, comment ça va ? Ça va bien, Diego ? Eh bien, ça va. Très bien, ben merci à toi d'être avec nous. Marcine, je te remercie. Tu restes en, tu peux rester en backstage. Merci, c'était très court. Okay, on te fera revenir. Merci à toi en tout cas pour ces éclaircissements sur Paulo Sousa et la Pologne. Voilà, on est Monsieur Diego Rolan est avec nous en direct depuis l'Égypte. Diego, comment ça va ? Ça va et vous ? Ça va bien ? Eh ben oui, nous ça va. Je te présente. Donc tu as Samuel qui est là. T'as Gino. T'as Joe et alors attends, je vais mettre les prénoms qui vont s'afficher. Et tu as Conan qui est là. Alors, il n'est pas dans un avion, hein, malgré sa casquette. Hein. Mais j'aurais pu le faire le voyage, mais bon. Il surveille les messages sur le chat en fait, sur YouTube. Et tu as une chaîne Twitch, c'est ça ? T'as une chaîne Twitch ? Ouais, j'ai une chaîne Twitch. Ouais. Là, je suis en train de mettre la vidéo aussi. Ah d'accord, ouais. Bon, ben c'est bien. Je savais pas que qu'est-ce que tu fais sur Twitch, du jeu vidéo? Donc on a live là. Oui, je suis Call of Duty, ouais. Ah d'accord. Donc voilà, comme ça je m'amuse un peu quand j'ai du temps libre, je joue un peu voilà, avec des amis, avec des potes, donc c'est bien. Bon, c'est bien, et tu joues avec des joueurs de foot aussi? Ouais, aussi. Hein. Ouais. Des Bordelais? Non, des Bordelais, non. Avant, je jouais avec Thomas et avec, ouais. Ouais, avec Arzi aussi. Ouais. D'accord. Mais là, maintenant, non. Ça fait longtemps que je ne joue pas avec. Bon, en tout cas, on est très content de t'avoir. Ça fait plaisir parce qu'on t'a vu jouer de nombreuses saisons à Bordeaux. Donc, on va passer quelques minutes ensemble. On va parler de toi, de ce que tu as fait, de ce que tu fais aujourd'hui. Juste avant ça, regarde ce que j'ai préparé. J'ai préparé une petite fiche pour montrer à ceux aux plus jeunes que tu as joué 149 matchs avec les Girondins de Bordeaux. Ouais. Tu as marqué 38 buts, 13 passes décisives. Tu as gagné la Coupe de France. C'est le dernier trophée qu'on a gagné, hein, tu sais. Ouais. International uruguayen. C'est la première fois qu'on reçoit un international uruguayen dans le talk. Donc merci. Bon, c'est bien. Gros pays de foot, hein, Nico. Et la Céleste. Ah, c'est un très beau pays, hein. Champion du monde. Hein. Deux fois champion du monde, ouais. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es en Égypte, au FC Pyramide. J'ai envie de te poser une question. Comment tu t'es retrouvé en Égypte ? Comment ça s'est passé ? Ouais, en fait, ça passe bien. Je suis arrivé, les trois premiers matchs, je suis marqué et un but à chaque match. Donc, bon, après, on joue deux matchs par semaine, donc ça fatigue un peu. Après, je me suis blessé et là maintenant, je commence à m'entraîner. Aujourd'hui, je commençais à m'entraîner avec le groupe pour préparer le prochain match que c'est mercredi. Donc, du moment, franchement, ça va. Ouais, tu as marqué plusieurs buts. Ça te change du championnat mexicain, championnat espagnol? C'est quoi qui est différent? Ouais, ici, le championnat, il y a plus d'intensité. Et c'est un jeu agressif aussi, et les joueurs ils sont costauds, agressifs, il y a l'intensité, donc c'est pas facile, quoi. On va dire que c'est pas facile, donc, ouais, on peut dire que c'est un championnat, l'Égypte et l'Afrique et tout machin, mais c'est un championnat que c'est pas facile. Ouais. Bon, les gars, vous voulez poser une question à Diego? Ouais. Au niveau de son poste, il joue comment? Il joue devant, toujours à attaquant avec quelqu'un d'autre, ou comment ça se passe? On joue avec 12 attaquants. Donc voilà, moi, vous me connaissez, moi j'aime bien jouer avec 12 attaquants. À l'époque, je jouais avec Cheikh Diawaté et avec Téline. Et donc moi, je suis un joueur qui il aime bien profiter des espaces, et quand je joue des joueurs comme ça, comme Diawaté, comme Téline, et pour moi c'est important parce que ça me libère des espaces. Donc ici on joue comme ça, et voilà, moi ça me plaît franchement. Tu as marqué l'histoire des Girondins de Bordeaux, tu le sais?
Ouais, je le sais. En fait, moi, Girondin, pour moi, je dis toujours que c'est ma douzième ville parce qu'il y a Montevideo et après, il y a Bordeaux. Et aussi, c'est mon club du cœur. Moi, je suis tellement amoureux de Bordeaux, de le club, de tout. Donc voilà, et ça reste toujours dans mon corps. Et pour moi, c'est tellement un plaisir de faire partir de l'histoire de Bordeaux que vous n'imaginez pas. Tu as marqué le dernier but à l'Escure, au stade d'Escure. Et Ouais. tu as marqué le premier but. Ouais, Gino, vas-y. Et le premier but Ouais, les deux au derniers nouveau même. stade. Ouais, c'était les deux derniers à Charbon des Noises et les deux premières à Mamout Atlantique, il s'appelait comme ça. Donc, ouais, pour moi, c'est un plaisir énorme, énorme, énorme. Tu gardes, et après les gars, je vous laisse la parole parce que moi je pourrais poser une question. Tu gardes quel souvenir du dernier match, le Adieu Lescure? C'était à cette occasion-là, hein, c'était Adieu Lescure, je dis pas de bêtises. C'est Hein. ça, c'est Le Adieu ça. Lescure avec cette ambiance, cette saison-là, elle était extraordinaire, je trouve. Il Ouais, y avait moi, énormément d'ambiance. tu sais, moi, je me rappelle un match que c'était incroyable. C'était le match contre Paris, qu'on a gagné, on a gagné 3-2. On a gagné Yambéré qui 3-2. marque. On a gagné 3-2 à la fin. Et que bon, Ibrahimovic, il était énervé, il a dit n'importe quoi. Donc l'ambiance était un truc de fou. C'était un truc de fou. Et après, le dernier match, c'était contre Nantes aussi. Et je me rappelle très bien. Et aussi, l'ambiance, c'était incroyable. En fait, c'était un stade, on va dire, familier, parce qu'il était proche, tu sentais les supporters, tu sentais tout. Donc, c'était magnifique, magnifique. Et après, Nouveau stade. après au nouveau stade aussi, le premier match, et moi, j'ai les souvenirs du premier match aussi. Le stade, il était blindé. Je crois que il était blindé, blindé, blindé. Et bon, il y avait Zinedine Zidane qui a participé aussi de l'inauguration. Donc, c'était aussi magnifique pour moi. Et moi, je marquais les deux buts. Je me rappelle, je marque le premier but et je vais sur le virage sur. Il y a tout le monde qui descend sur le terrain. Et là, c'était magnifique. Franchement, c'était. Oui, d'ailleurs, il y a eu un problème de barrière. Je Ouais, crois qu'ils des se sont pas barrières, ouais. blessés. Se sont Voilà, pas ouais, c'est ça, blessés, la sécurité. heureusement. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que tu es rentré dans l'histoire. Certes, tu as joué beaucoup de matchs, mais avec ces deux buts-là, face à Nantes et face à Montpellier, du coup, on se souviendra à Bordeaux toujours de toi. Rien que Bon, ça. Voilà. pour moi c'est ça là, vraiment pour moi c'est bien, je suis content pour ça. Et bon, et après à l'époque aussi, nous, je me rappelle, on s'est qualifié tout le temps à la Coupe d'Europe. On a gagné la Coupe de France, donc on avait une belle équipe. Il y avait des bons joueurs aussi, et franchement, j'ai que des bons souvenirs. Allez, Joe, et après Samuel. Alors moi j'avais une petite question, je me rappelle de ton arrivée, tu avais 19 ans, tu étais encore jeune et tout, tu remplaces Yvan Buffon en plein mercato d'hiver en plus. Et je me rappelle que les deux premières saisons, ça avait été un petit peu compliqué pour toi, il y avait des blessures, tu marquais pas trop. Et puis la troisième saison, tout s'est enclenché, notamment c'était un Bordeaux-Monaco où on gagne 4-1, où là je t'ai découvert, j'étais au stade, je me rappelle, on gagne 4-1, je crois que tu mets un doublé justement un penalty et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que sur cette troisième saison, il y a eu des déclics pour toi? C'est là que tu marques 15 buts, c'est là que tu te lances vraiment, alors qu'au début, il y avait des blessures, on sentait que peut-être au départ c'était un peu compliqué, tu arrivais à dérouler, tu te à nouveau, tu étais jeune. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des déclics lors de la troisième saison, qu'après tu as commencé, tu as mis 15 buts et après pour toi tu t'es roulé derrière, quoi? Ouais, après, tu sais, c'est compliqué parce que justement, moi, j'avais 19 ans et je venais d'Uruguay et c'était ma première expérience en Europe. Donc, pour moi, c'était tout nouveau et c'était un pays que je parlais pas la langue et je parlais pas du tout français, pas du tout. Donc, c'était difficile la communication avec l'équipe, avec tout le monde, même dans la vie quotidienne. Donc, c'était ça
pour moi, c'était très compliqué. C'est à cause de ça qu'après, derrière, il y a des blessures. Après, derrière, je n'arrivais pas à avoir des bonnes sensations, à pouvoir marquer. Donc, c'était à cause de ça. Après, c'est vrai que je commence à parler un petit peu. Je commence à connaître la France, à connaître la culture française. Et donc, c'est là où je commence aussi à me libérer, à commencer à jouer et voilà, et c'est là quand je commence à marquer des buts aussi. Donc c'est difficile, c'est pas facile. Et moi aussi, des fois je vois des joueurs qui sortent de son pays pour jouer désolé, c'est mon fils. C'est mon fils. Il y a de la vie, ouais. Ouais, je disais que des fois il y a des joueurs qui portent de son pays pour jouer en Europe et tout, et on voit que ça fonctionne pas, mais voilà, c'est compliqué, c'est pas facile. Samuel, tu veux poser une question à Diego? Ah, on a perdu Samuel. Ça marche? Oui, ah, vas-y, on t'entend, c'est bon. Vas-y, t'entendais plus. Je veux parler de la saison 2014-2015, ouais, de Diego. C'est la plus belle, je pense, avec Bordeaux. Moi, je voulais un petit peu savoir, toi, aujourd'hui, est-ce que la Ligue 1 te manque un petit peu, parce que les Ganes, la Corogne, ça n'a pas super bien marché, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a une réelle volonté pour toi de revenir dans le championnat où t'as tes marques, t'as des références, et qu'il y a eu des gros contacts avec Nîmes la saison dernière? Est-ce que toi, t'as envie de revenir en France? Ouais, bien sûr. Hein. Et bien sûr, moi, j'ai envie d'aller en France, parce que, comme j'avais dit, moi, j'ai que des bons souvenirs de la France. Et c'est un championnat qui, au final, moi, je me sentais bien. Et j'étais adapté, je me sentais bien. Et ma meilleure saison, c'était là, c'était 2014-2015. Mais après aussi, j'avais des saisons que j'avais marqué 10 buts à chaque saison, et 10 et 8. Et donc, c'est un championnat que moi, j'aime bien. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai envie aussi d'un jour retourner en France, et bon, si c'est abordant, tant mieux, sinon d'expérimenter un autre club, quoi. À Bordeaux, mais justement, il y a des questions sur le chat, Conan, où on lui demande s'il aimerait revenir à Bordeaux, c'est ça? Voilà, bah, y a plusieurs questions. Déjà, je te passe juste un mot d'information, Diego. Il y en a un qui a dit qu'on t'entend pas sur ta chaîne Twitch, au niveau de la vidéo que tu as remis en diffusion. Ah, on ne s'entend pas, c'est dommage. Non. Ouais. Et donc, il y a eu plusieurs questions. Il y en a qui te demandent justement pourquoi tu ne reviendrais pas à Bordeaux. Est-ce que tu en as l'envie? Forcément, tu nous as dit tu l'as, quoi, mais qu'est-ce qui fait que tu es freiné pour ne pas venir à Bordeaux? Est-ce que tu as eu des contacts avec Bordeaux? On sait que tu as eu des contacts avec Nîmes, par exemple. On l'a lu dans la presse. Ouais, avec Nîmes. Avec Roche aussi, hein? Ouais, moi j'avais des contacts avec Nîmes. Avec Bordeaux aussi, moi j'ai envie de retourner à Bordeaux, je vais pas te mentir. Moi j'ai envie de retourner à Bordeaux, de vivre des choses avec les supporters, des belles choses avec les supporters, et voilà, moi c'est un club que j'aime. Après, vous connaissez, à Bordeaux, ça a changé beaucoup. Ce n'est pas les mêmes actionnaires, ce n'est pas les mêmes propriétaires, ce n'est pas les mêmes. Ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup, Bordeaux. Donc, à ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire pour retourner à Bordeaux. Il cherche des joueurs de caractère à Bordeaux. Je me souviens, t'as du caractère sur le terrain. Je me rappelle un petit accrochage avec, je crois, Maurice Bellé en sortant. Il y avait eu des trucs. À Nantes, non? Ouais, tu vas venir se prendre moins de 50 000 par mois. C'est la règle. Non, mais écoute, après, c'est des choses que ça passe dans le football. Hein. Et des fois, on voit ça parce que vraiment, dans l'équipe, tout le monde veut gagner. Hein. Et,
c'est là qu'on tu vois aussi des trucs comme ça, tu vois, parce que l'équipe, tout le monde vous gagne, tout le monde vous joue. Donc, après, on accepte pas des choses, on n'accepte pas de sortir, on n'accepte pas de perdre un match. Donc, il y a toujours des discussions, c'est justement pour ça. Mais si vous savez, si on revient, donc, on a fait, je crois que cette année-là, on a bien fini. On a fini sixième, je crois, ou septième, un truc comme ça. Mais voilà, comme je t'avais dit, tout le monde était dedans, tout le monde avait envie de gagner. Et des fois, c'est pour ça, quand tu as trop envie de gagner et de faire bien les choses, c'est là qu'il y a aussi des problèmes, non, quand ça marche non, pas. Non, mais c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'on bien, dit. C'est bien. Pour ça, c'est bien. Et des fois, il faut avoir la grinta, comme on dit. Des fois, il faut avoir la grinta. Et des fois, il faut passer par ça. Et ça montre aussi que, tu vois, que l'équipe, il a envie de faire bien les choses. Et du coup, vu que tu suis... Oui, vas-y. Ouais. J'allais dire, et du coup, parce que c'est une question qui n'arrête pas d'être répétée et répétée, tu penses quoi du Bordeaux actuel? Parce que je pense que tu les suis, tu vois un peu ce qui se passe. Ouais, après. Au niveau joueur, on dira, au niveau de l'équipe, au niveau du jeu en lui-même. Après, je vais dire quoi. À la question piège, allez, Diego. T'es pas obligé de. Tu regardes les matchs. Allez, Diego, mouille-toi. Non, moi, vraiment, je ne vais pas parler de ça parce que dans l'équipe, il y a. J'ai des amis dans l'équipe. Après, d'accord. Des fois ça marche pas, hein. Des fois ça marche pas, hein. Mmh. on peut dire que peut-être c'est le président, on peut dire peut-être c'est l'entraîneur, on peut dire plein de choses. Mais après, tu vois, quand ça va pas, on trouve trop de choses, mais quand ça marche, on trouve pas. Donc je ne peux pas te dire de plus. Diego, non, par contre, moi j'ai une question, alors sans forcément parler de Bordeaux, mais pour tous les supporters qui suivent cette situation, tu as joué notamment à Leganés, qui a été un club en difficulté en Liga. Vous êtes descendu, je crois, l'année où tu y es. Non, c'était à Malaga, ouais. À Malaga, c'est ouais. À Malaga. Il y a le Deportivo avec qui tu es en contrat, Deportivo qui est un club qui ne va pas bien depuis des années, on le sait, etc. Quand tu es joueur de ce club-là, sans parler de la situation forcément de Bordeaux, même si tu l'avais dit, quand tu es joueur de ce club-là, est-ce que tu as encore envie de te battre pour un club où tu sais que là-haut, ça ne marche plus, les fils sont déconnectés et il ne se passera plus rien? Est-ce que quand tu es joueur, tu as encore envie de te battre pour ce club-là? Ouais, quand tu es joueur, tu as envie, toujours quand tu rentres sur le terrain, tu as envie de faire bien les choses. Après, si ça marche, ça ne marche pas, c'est une autre chose. Mais si c'est vrai qu'en haut, ça ne marche pas, et dans l'équipe, on le sent. Les joueurs, on sent que le club ne vient pas derrière nous, tu vois. Donc, je sais pas comment t'expliquer, mais. Mais non, voilà, si en haut ça marche pas, c'est compliqué aussi que l'équipe et les joueurs, ils répondent bien. Mais c'est compliqué. Un club, c'est tout le monde, c'est le président. Un club, c'est les gens qui travaillent pour le club, c'est les joueurs, c'est tout. Parce que après, c'est vrai que sur le terrain, c'est nous qu'on doit montrer, mais si autour des joueurs ça marche pas, après c'est difficile, hein. C'est difficile. Donc il faut mettre les joueurs dans la meilleure situation pour aller sur le terrain et montrer un bon niveau. Mais si comme je t'avais dit, si en haut ça marche pas, difficilement les joueurs ils vont répondre de la même façon. Les gars, Joe, Gino, et après j'ai une question d'un socios. Ouais, salut tous les socios, c'est pour vous, hein, qu'on fait tout ça, c'est pour vous qu'il est là, hein, Diego, hein, pour, merci, hein, d'être avec nous. T'es au Caire là, en Égypte, t'es au Caire? Ouais, je suis en Égypte là, ouais. Ouais, ouais, mais dans la ville du Caire? Ah non, Cairo, oui. Caire, en espagnol c'est Cairo. Cairo, oui. Ouais. Ouais. Ouais, Joe ou Gino?
Non, moi j'ai une petite question parce qu'on justement on en parlait au début de l'émission qu'on a l'impression que Bordeaux va finir la saison en Ligue 2 cette année. Si on va en Ligue 2 et que Bordeaux te rappelle, est-ce que tu viens nous sauver ou pas? Mais oui, moi ouais. Clairement, ouais. J'avais la même question. Ouais, même ouais, en deuxième division, moi je vais à Bordeaux. Hein. Et moi je me pose pas la question. Et ouais, ouais. Et moi si aujourd'hui tu me dis à Diego si tu descends ton salaire, tu viens à Bordeaux, moi je te dis que si aussi. Hein. Ah, c'est bon, bien voilà. Ça quand même. Bon, c'est bien. Ça fait du bien d'entendre un petit peu. Eh oui. Ouais. Après, sur une opération commando de Ligue 2, il n'a pas tort, ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais en espérant que ça ne nous arrive pas. Hein. Non, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Non, ça ne va pas arriver. Moi, je pense pas. Non. Non, ouais. Et tu as bien fait de parler à Nîmes, hein, Diego. Sinon, tu aurais joué la relégation contre les Girondins. Ouais, t'as vu. T'as vu. T'as bien fait. Ouais. Ça va être dur là. Parce qu'avec la chance qu'on a, c'est toi qui aurais marqué le but qui nous envoyait en Ligue 2. Non, dis pas ça. Ah bah, Zaidou Kazri hier. Ouais, il a marqué 3 buts. Hein. C'est pour ça. Si t'étais à Nîmes, c'était pour toi. Il nous a fait mal. Ouais, c'est vrai. Tiens, j'ai une question du Socios. Antoine qui nous dit Diego, est-ce que tu as des regrets sur quand tu étais à Bordeaux? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes lors de ton passage à Bordeaux? Non, mais c'est pour ça. Moi, j'avais dit, moi, j'ai que des bons souvenirs à Bordeaux. Moi, si aujourd'hui je m'arrête et je pense, je me dis, il n'y a pas. C'est la seule chose, c'était quand j'étais arrivé à Bordeaux, que c'était compliqué le début. C'était ça, mais aujourd'hui, je suis content de passer par là parce que là, ça me fait grandir comme joueur et comme personne. Et c'est pour ça aussi que Bordeaux, ça reste dans mon corps parce que c'est une partie de ma vie. Que ça me fait progresser, et dans le sportif et dans l'humain, comme personne, ça me fait progresser aussi. Donc c'est pour ça, moi, j'ai pas de mauvais souvenirs à Bordeaux. Je t'ai sûr, la vie de ma mère. Et moi, aujourd'hui, je m'arrête et je pense, j'ai pas de mauvais souvenirs. Non, bah, très bien, très bien. Nico, j'avais une question. Est-ce que ces débuts compliqués, justement, Diego, ils n'étaient pas liés à l'attente et à ce qu'on pensait de toi avant que tu arrives? C'est-à-dire, on était à la recherche d'un buteur, d'un numéro 9 pur, entre guillemets. Et chose que tu n'étais pas totalement, quoi. Tu l'as bien dit, tu étais quelqu'un qui était capable de jouer, de faire marquer et de marquer, bien sûr, mais pas un vrai numéro 9 pur. Ouais. Et souvent, à Bordeaux, j'ai eu l'impression que. Toi, qui étais un bon joueur, moi, j'aimais beaucoup te voir jouer, eh bien, on t'avait un peu mis cette étiquette de buteur, alors que tu étais très jeune, que ce n'était pas réellement tes capacités pures. C'est l'impression que j'ai eue. Ouais, tu l'as dit, c'est exactement ça. Moi, je ne suis pas un numéro 9 pur. Moi, j'ai quelqu'un, si vous vous rappelez aussi, moi, je jouais sur le côté, je jouais devant, je passais par tous les postes. je me rappelle, et Ramé aussi m'a mis à milieu de terrain un jour. Je ne me rappelle pas le match, mais je jouais aussi milieu de terrain. Donc, je passais par tous les postes. Moi, je suis pas un numéro 9 pur qui va te marquer à tous les matchs. Après aussi, moi, j'aime bien marquer des buts. J'aime bien être sur la surface pour essayer de marquer. Mais je sais pas, peut-être Diabaté, et on peut dire que c'est un numéro 9 pur. Mais c'est pas ma façon de jouer. Moi, je veux pas rester devant et attendre le ballon en centre. Moi, j'aime bien boucher sur le terrain, j'aime bien aller de droite à gauche et défendre, aller sur la surface. Et donc, c'est pas, tu l'as dit, hein, c'est exactement ça. Ouais. Et il était arrivé au mois de janvier, hein, je rappelle. C'est Francis Gillot, il t'a fait jouer tout de suite, quoi. Et tu te blesses parce qu'il te fait jouer dès que t'arrives. Hein. On était tous surpris de te voir jouer. À Lisbonne, non? À Lisbonne, un huitième de finale de Coupe d'Europe.
Non, le Kiev, premier match, c'était Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, je jouais 20-30 minutes. Et après le Bordeaux. Prochain match, c'était à Bordeaux contre Lyon. Et c'était là que je me blesse. Et après, je restais un mois blessé. Et quand je suis revenu avec l'équipe, je me suis blessé aussi de suite. La cheville encore. Ouais. Et j'ai mangé ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Non, mais les gars, si vous avez, si vous avez d'autres questions, ouais. En tout cas, y a une question reliée à ça, mais bon, t'es pas obligé d'y répondre. Mais par contre, il y a beaucoup de chatteurs qui ont dit qu'ils aimeraient bien te voir à Bordeaux avec Wang Weizhou en attaque, en disant que au niveau Grinta, ça devrait donner vous deux ensemble devant. Mais ouais, pourquoi pas, il y aurait du mouvement. Pourquoi pas, et ça y est, j'ai ma question. Quel était Francis Gillot, il t'a laissé quel souvenir comme entraîneur, Francis Gillot? Ouais, Francis Gillot, mais bon, moi il m'a fait aussi jouer le premier match à Bordeaux, hein. Après avec lui on a gagné la Coupe de France, mais oui, avec lui on a... Moi, je peux raconter, mais un jour, on est allé sur le terrain, on est sorti pour commencer l'entraînement et on faisait un petit chute des passes. Et il voulait qu'on la fasse d'une façon. Et nous, on la faisait de notre façon. Donc, il s'énervait, il a dit, oh, vous voulez pas le faire comme moi, je l'avais dit. Vous rentrez tout le monde sur le vestiaire, vous pouvez partir chez vous. Et lui, il a fini l'entraînement. Hein. On s'est pas entraîné. Et le jour d'après, on avait match. Et je me rappelle, on s'est pas entraîné. Il a dit, rentrez chez vous. Fini l'entraînement. On a fini l'entraînement. Voilà, il faut avoir aussi de caractère pour faire ça, hein. Et à l'époque il y avait des joueurs expérimentés, on avait Carlos Enrique, on avait Obraniak, il y avait des joueurs expérimentés, mais lui il s'en foutait, il a dit rentrez chez vous, vous voulez pas faire ça, allez chez vous. Ouais. Et le match, vous avez gagné le match suivant ou non, on avait perdu le match. Ouais, on a perdu le match. Je me rappelle pas le match exactement, mais je sais qu'on a perdu. Ouais, mais non, lui il avait du caractère. Mais bon, comme je t'avais dit, hein, il m'a fait jouer le premier match. Et après, on a gagné la Coupe de France. Moi, j'ai rien à dire. C'est avec lui que tu as les meilleurs souvenirs ou c'est avec Sagnol? Parce que ta meilleure saison, elle est avec Sagnol, mais on a le sentiment que c'est avec Gillot que tu t'es le plus éclaté. Non, mais avec Gillot, moi, je commençais à jouer un petit peu, machin. C'était mon premier but, je le marquais avec lui, je crois. Mais bon, comme tu avais dit, hein, avec Sagnol, je marquais 15-16 buts, un truc comme ça. Donc, ça voit qu'avec lui, on a... Je sais plus, c'est lui qui fait deuxième attaquant, non, c'est Sagnol, hein, qui te met avec... Moi, je me rappelle un match à Evian. Après le match, Joe parlait du match contre Monaco, mais il y a un match contre Evian, deux, trois semaines après, à Chaban, où tu t'ouvres le score sur un centre de Maurice Bellet, où Sagnol, il met un 4-4-2, avec devant, il y a toi, Sheik, Maurice Bellet, et j'ai un trou sur le mec à droite. Je me demande si c'était pas Thomas Touré sur ce match. Obraniak, peut-être. Henri CV, c'était pas Henri CV. Henri, je crois qu'il est. Sagnol le mettait plus bas, Henri. Ah ouais, Henri, Sagnol le mettait milieu terrain, ouais. Et j'ai le sentiment que c'est là vraiment où toi, on a découvert vraiment que tu étais un second attaquant, en fait. Et que là où tu étais le meilleur, c'était. C'était la retombée des centres quand il y avait des espaces, quand il y avait un mec qui te laissait la place.
Ouais, mais si tu vois l'équipe, après sur le côté avec Maurice Vélez, il allait très vite. Il allait très vite. Devant, j'avais Cheikh Diawaté à côté. Donc, lui, il fixait beaucoup les défenseurs. Et moi, ça me permet d'aller sur les espaces. Donc, c'est ça que j'aimais trop. Et après, quand le ballon il passait à côté gauche, et Maurice Vélez, il faisait le 1 contre 1, ils sont très de suite. Donc, je savais tout le temps que lui, à la première, il allait centrer. Donc, j'avais tout le temps sur la surface. Et c'est ça que j'aimais bien aussi. Bonjour. Bon, c'est bien. Ouais, Maurice Vélez, ouais, c'était un bon champ. Il y avait, je me rappelais plus qu'il y avait au Bragnac. Ouais, il y avait des choses. Ouais, il y avait des bons joueurs. Ouais, franchement, ouais. Est-ce que la sélection, du coup, tu n'es plus convié là en sélection? Tu es plus sélectionné depuis quelques saisons ou... Non. C'était avant partir de Bordeaux que je suis parti à Malaga, que je me suis blessé l'adducteur après ça. Et j'étais convoqué et tout contre un match contre l'Argentine et pour la qualification de la Coupe du Monde. Et c'est là que je me suis blessé avant de partir à Malaga. Et après ça, j'étais plus convoqué. Tu avais fait la Copa 2015? Ouais, la Copa América. Éliminé par le Paraguay, non? Venezuela, je crois que c'était Venezuela, ouais. La dernière coupe América, c'était en États-Unis. Ouais. Parce que c'était l'anniversaire. Le centenaire. Voilà, ils ont fait la Copa América en États-Unis. Et on était, Suarez qui était blessé, Ouais. Donc, voilà. Mais bon. Ouais, vas-y, je croyais que tu allais parler. Non. Bon, ben merci Diego, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour l'avenir? D'échouer, de marquer et voilà, d'un jour retourner à Bordeaux. Bon, ben écoute, d'accord. Et j'espère qu'on pourra aller boire un coup dans un bar. Ensemble. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci Pyramide FC. On te souhaite une belle saison et peut-être merci te revoir en Ligue 1 à Bordeaux ou ailleurs. Messieurs, un petit mot, un dernier mot pour Diego. Je le voyais souvent jouer, c'est un grand mot, mais j'ai déjà croisé au Jinga. J'ai vu Malcolm, j'ai vu plein de joueurs. Alors à l'époque, je pense qu'il fallait pas le dire parce que les coachs, je pense que vu les surfaces, à mon avis, ce serait un peu inquiété de les voir jouer là-bas. Mais je me rappelle que je l'ai vu quelques fois. La première fois que je l'ai vu, c'est pareil. Je voyais un mec qui se régalait face aux autres et tout, qui marquait. Je regardais, j'étais, mais c'est qui ce joueur? Je le connais pas et tout. Et là, je vois que c'était Diego Rolland. Je fais, ah, mais c'est un vrai joueur de foot en fait. Du coup, voilà. J'étais tellement déçu tout le monde en fait. Du coup, Et puis, il y a une grosse communauté sud-américaine à Bordeaux, des Brésiliens, les Argentins, les Uruguayens notamment. Voilà, il y avait beaucoup de joueurs, les Mariano qu'on voyait souvent là-bas, Vada, etc. Je sais que Diego y allait aussi. Donc, on les croisait souvent là-bas. C'était toujours un plaisir de les croiser, de les regarder jouer. C'était juste pour le plaisir. Et c'était là, c'est le pur foot. C'était bon de voir ça. Merci beaucoup. Merci à toi. On te remercie d'avoir répondu positivement. Et puis écoute, à bientôt. Allez, salut, bonne soirée. Ciao, bonne soirée, merci Diego. Bon, ben voilà, les gars, écoutez, c'était sympa. Petit Diego Rolland en direct depuis l'Égypte. Hein. L'Égypte. Et oui, il faut se rendre compte, il était. Ça passe bien quand même. Les gars, on a fait l'Écosse et l'Égypte. L'Écosse-Égypte. Hein. Ouais. Franchement, en 2 minutes, c'est pas mal. Très bon. Qu'est-ce que tu dis, Samuel? Je dis, vous rigolez ou quoi? L'Égypte, c'est l'Égypte. Hein. Attends, c'est à côté, l'Égypte. Oui, mais c'est bien équipé. Moi, ça m'étonne pas qu'il ait eu. Ça m'étonne pas non plus. Je savais pas qui Twitch. Ah bah le casque, tu l'auras. Hein. Ah ouais. C'est casque de gamer. Ah ouais, ça c'est les gros casques de gamer. Les gros casques de gamer, mais à l'ancienne. L'ancienne, ouais. C'est classe, je trouve.
Ah ouais, bah c'est pour moi, je le porterai pas aussi bien que lui, je pense. Non, mais tu vois, ça, c'est le casque de petit gamer, tu vois, et puis t'as son casque, c'est celui du gros gamer, tu vois. Ah ouais, là, ouais, c'est le gros gamer. Moi, j'ai le casque des années 80-90, tu vois. C'est, ouais, c'est... Là, par contre, très sympa. Très sympa. Je suis vraiment bon. Je suis vraiment content qu'il n'ait pas signé à Nîmes parce que je suis persuadé que c'est lui qui nous a envoyé en Ligue 2. Ouais. Ça, ouais, merci Diego. Ouais. Ouais. Je remercie Diego qui est venu. Bon, je lui ai dit merci plusieurs fois en direct, mais c'est vrai que c'est sympa. Ouais. C'est la première fois, je crois, qu'on a un joueur en activité, les gars, un pro hein, dans le talk. Je ne sais pas si on en a déjà eu un joueur en activité. Qui est toujours joueur, non, je crois que c'est le seul. 28 ans, Diego, ouais. Il peut être. Ouais. Et donc, semaine prochaine. Yanni, il était au Los Angeles quand on l'avait eu. Ah, si, Yanni. Il était encore à Los Angeles, Yanni. Et on était à la radio, on était chez O2. Sur le chat, c'est pas bien, ils disent que Frédéric Roux, il aurait dû faire l'émission depuis le Caire la dernière fois. C'est ce que j'ai lu. Pour pouvoir. Pas Frédéric, on le salue. Il était en colère après le match. Qui taille pas bien. Mal le club en ce moment. Hein, et ouais, tout à fait. Mais bon, qui ne les taille pas. Semaine prochaine, on aura un entraîneur en activité, messieurs. Hein mm-hmm. Bon, vous le connaissez, il est déjà venu. Ce sera peut-être pas Jean-Louis Gasset, du coup. Non, alors ça sera. Non. Ouais, c'est vrai, ce ne sera pas lui. Didier Tolo sera avec nous lundi prochain. Un futur adversaire, hein. Peut-être, ouais, il nous aidera à décrypter un peu ce qui peut se passer. Donc, il sera avec nous et il entraîne Pau. Voilà, belle saison. On fera le point sur Pau et on passera en revue l'actualité. Voilà. Un grand ami de Web Gironde. Ouais, tout à fait. Et on a fait quelques émissions ensemble. Mais il ne connaît pas cette formule-là. Il a la fibre à Pau, il m'a dit. Il a la fibre. Pour en venir justement sur la Ligue 2, il y a Samir Nali avant qui a dit « faut quand même reconnaître qu'on aura le plus grand stade de Ligue 2 si on y va. » Ah oui, il n'y a pas tort, Samir. Là. On n'a pas de concurrence. Si Nantes, ils descendent. On est plus grand. La Beaujoire, c'est pas plus grand ? Non, Non, je pense que c'est Bordeaux. C'est moins de 40 000. Ah ouais, la Beaujoire, c'est sûr, c'est moins de 40 000. C'était plus que Chaban, mais c'est moins que le Matmut. Ouais. Alors, on a eu un socio de plus pendant cette émission. Et je voulais vous gagner le maillot. Son prénom. Alors, on fera le tirage. Et oui, il va faire le tirage. Tiens, je vais faire le tirage. C'est Gomila, à qui on souhaite la bienvenue parmi ce club des socios. 68, les amis. Cap vers les 100, hein, j'ai envie de dire. Je ne savais pas trop combien vous seriez... à rejoindre ce projet, en tout cas c'est top, ça donne envie d'aller chercher d'autres interviews sympas pour passer des bons moments. Bon, on fait le tirage au sort avant d'attaquer Monaco. Allez. Hop. Allez. Alors attention. Mais rajoute son nom. De son Monaco, on va faire quoi? Je peux pas le rajouter parce que j'avais inscrit sur la page Socios, mais bon, on fera peut-être un autre concours au 100, si on atteint les 100, on fera un autre concours. Ouais, puis notre huissier, il est passé mettre en force, il a été bon, c'est clos, il y a deux heures maintenant, donc c'est bon. Voilà, non, l'huissier est passé, il a pris ma télé, mon canapé, il a pris la télé, mon canapé, alors... ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai mélangé, il m'a laissé le vocal, alors ma main passe juste, heureusement que j'ai pas... Alors je tourne. Reste pas bloqué, quoi, putain, ce sera un moment Oh putain, je peux pas la sortir. Ce sera un moment de web télé un peu con, quoi. Et voilà, attention, et c'est Matisse. Alors, je le montre. Matisse. Alors, est-ce que vous le voyez là? Alors, le zoom. Là, vous le voyez là. Ah, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Voilà. Donc, bravo. Il a gagné le maillot. Voilà, Matisse. Ah oui, Lionel Matisse. Lionel Matisse, voilà. Donc, bravo à lui. Il a gagné un maillot vintage. On va le contacter sur la page des Socios. Et comme je vous l'ai dit là. Et 100 000 euros. Si on arrive à 100 socios, on fera un autre concours pour animer, pour faire un truc sympa, quoi. Voilà, pour récompenser. Bon, je vois, bravo Matisse, il y a Flo qui dit merde, c'est pas moi. Et Flo, je crois qu'il a fait des talks avec nous, qui est sur le chat. Je l'invite à venir participer. Voilà, s'il souhaite notamment sur les débriefs à chaud. Allez messieurs, j'ai assez parlé, j'ai l'impression que j'arrête plus de parler. Bordeaux va-t-il toucher le fond à Monaco? Gino. Contre, tu veux dire Nico, parce qu'on joue à domicile, il me semble. Oui, alors, oui. Oui, pardon, alors attendez.
je modifie. Quand un stade vide, souvent Monaco, ils se sentent à la maison. Hein. Ça, c'est comme si ça. Si tu te rappelles, ouais, si tu te rappelles de l'aller, on prend une branlée énorme à Monaco. Hein. Voilà, face à ils Monaco. Ils étaient dans la merde, Monaco, à cette époque-là. Ouais, et Gassé s'était bien planté. C'est pas trop. Ouais, c'est pas encourageant. On les a relancés. Hein. De Monaco, qui est en pleine bourre. Je sais pas si vous avez vu le match. Ça tourne très très bien avec notamment Ben Yedder qui rentre, il est capable de rentrer et de marquer. Ils ont une équipe qui est très bien au point. Espérons que Tchouaméni ne nous fasse pas aussi mal que ses collègues le week-end précédent. Mais ouais, pour moi, on va tout droit vers un match qui s'annonce très difficile. Bon, ok. Donc, non, mais est-ce qu'on va toucher le fond, oui ou non? Ou tu penses qu'on le touchera plus tard? On va toucher le fond. Ah non, moi, on est pour moi, on y est déjà. On y est déjà. Ah. Moi, je pense qu'on y est déjà. Ah, moi, je pense qu'on n'y est pas. Tu y es déjà, au fond. Donc, quelque part, ça tu sera peux pas que faire mieux pour moi. Tu peux que faire mieux. Donc, Samuel. Pour moi, on l'a déjà touché, le fond. Enfin, en plus, c'est une discussion que j'avais dans la journée sur Twitter avec certains supporters, très minoritaires, qui me disaient on verra si vraiment c'est l'état d'urgence dans 4 matchs. Mais les gars, là, c'est bon. Il faut quoi de plus, en fait? Faut que Nîmes, ils aient le même nombre de points que nous pour qu'on dise que c'est qu'on a touché le fond et que c'est l'urgence. Non, non, l'urgence, c'est maintenant. On est les Girondins de Bordeaux. Enfin, les Bordeaux Girondins ou le bordel Girondin. Parce que quitte à faire une faute de frappe, au moins que ce soit réaliste. On est les Girondins de Bordeaux. On est à la 32e journée du championnat, on n'est pas sauvé. Pire, on est en danger. Mais si là, c'est pas touché le fond et c'est pas l'alerte générale. Moi, je comprends plus rien, en fait. Et ça justifierait, du coup, que les joueurs et l'entraîneur se sentent pas si brusqués que ça en ce moment. Donc, pour moi, le fond, on l'a touché. Et franchement, jouer Monaco maintenant. Alors, après, ce club est tellement paradoxal qu'ils sont capables de prendre un point contre Monaco. Capable, hein. Mais en réalité, si on se fie aux dynamiques actuelles, ils peuvent nous en mettre 6. Ils peuvent nous marcher dessus. Ils peuvent nous marcher dessus. Et avec la chance qu'on a, on peut prendre un doublé de Tchouaméni aussi, tiens d'ailleurs. Mais moi, sincèrement, je pense que le fond, on l'a déjà touché. Et que au contraire, à Monaco, c'est pas toucher le fond qui va se passer. On va continuer à se faire traîner au sol plutôt. D'accord. Joe, alors je précisais juste toucher le fond parce que dans mon esprit, toucher le fond, c'est être relégable, si tu veux. Voilà. Mmh. C'est pour ça. Je comprends ce que vous voulez dire. Ah non, moi aussi je vois ce que tu veux dire, mais dans ce cas effectivement c'est la catastrophe quoi, la catastrophe. Joe, moi j'ai envie de dire non parce que sur ce match on n'attend pas grand chose en fait. Bordeaux clairement, on sait que Monaco roule vers la Ligue des Champions là en cette fin de saison. Contre Dijon, j'ai regardé le match, tu vois que la mi-temps Kovac tente un système avec des pistons, ça marche pas. Kovac, dès la mi-temps, il te fait 2 changements. Il fait sortir Aguilar pour faire entrer Fabregas. Il fait sortir Diop, un ailier pour faire entrer Bignader pour passer en 4-4-2. Quand tu vois déjà les changements, ça te montre l'effectif, la pléthore de joueurs. Déjà, il met Bignader sur le banc. Il peut se permettre de mettre Bignader sur le banc, déjà. Fabregas, des joueurs comme Fabregas, etc. Fabregas aussi, je pense que c'est un joueur, même s'il est sur la fin. C'est un égo, le bordel, tu vois ce que je veux dire, donc à gérer. Donc, et lui, ça n'a pas l'air de déranger. Il rentre, il est énorme sur sa rentrée, donc tu vois ce que je veux dire. Il apporte ce qu'il faut. Alors, en termes de distilleur de ballon, c'était parfait ce qu'il faisait. Donc voilà, donc effectivement, Voland n'est pas là. Ben Yedder n'était même pas titulaire. C'est Jovetic qui joue à sa place. Donc tu vois, voilà. Et Kovac, il arrive à fédérer tout le monde pour que tout le monde aille dans le bon sens. Parce que Ben Yedder, il rentre et puis bim, ça plante parce que tu vois que ça marche et que les choix que fait Kovac, même si ça ne va pas trop au départ. Il a la méthode pour bien modifier quand il faut dans le match. Et il le fait très tôt, à la mi-temps, il a fait 2 changements. Personne n'a rien dit. Et au bout de 5 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0, puis 2-0, au bout de 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. Voilà, donc Monaco trouvera la solution à un moment donné. Je ne m'inquiète pas par rapport à ça. Pire que nous, il n'y a que Dijon. Et Dijon, on a vu ce que ça a donné. Donc on sait très bien que voilà, Bordeaux ne fera pas mieux que Dijon, clairement. Maintenant, moi, comme je t'ai dit, le match que j'attends, c'est Lorient et Nantes. Si Lorient, tu ne gagnes pas, ben là, on pourrait dire qu'on va s'approcher vraiment, vraiment, vraiment du fond. Et si Nantes, tu ne gagnes pas et que tu perds, là, tu seras dans le fond et là, tu seras relégable, de toute façon. Donc, pour moi, c'est ces 2 matchs-là que j'attends. Contre Monaco, je n'attends pas grand-chose, clairement. Donc, voilà, on a 2 matchs en plus à Lorient et à Nantes. Il va falloir aller gratter quelque chose. Le calendrier. Voilà, donc moi, c'est là que les choses vont vraiment se faire. Monaco, c'est tellement un autre championnat, c'est tellement au-dessus de tout que
voilà, c'est une machine de guerre, c'est tout ce que tu veux. Mais Bordeaux n'a pas les moyens de rivaliser, même physiquement, mentalement, en ce moment. Donc, voilà. Donc défaite merci. Annoncée. Ouais, vas-y, Conan. Oui, bien sûr. J'allais dire, même si on arriverait à faire quelque chose, imaginons pendant la première mi-temps contre eux, ben, comme l'a dit notre ami Gasset, lui, tant des coups de poker, Kovac, lui, ses coups de poker, ils sont sûrs à chaque fois. Donc, dans tous les cas, on se ferait griller à un moment donné. Il a un banc. Même physiquement, on va sombrer. Non, mais voilà, exactement. Voilà. Tu me l'as sorti de la bouche, j'ai dit, mais de toute façon, même si l'autre, il vient avec des cartes horribles, qui fait son pire coup de poker, de toute façon, physiquement, à la 20e minute, on sera restauré. Parce qu'à un moment donné, il y a une réalité aussi, hein, c'est que les mecs, ils vont pas se préparer pour ce match. Mais comme ils sont préparés pour aucune rencontre depuis 11 rencontres, depuis 12 rencontres, ils sont pas prêts, ils arrivent avec un système qui doit être défini la veille ou le matin même. La plupart des joueurs, tu les tires à la pièce. Donc voilà, en fait, le truc, c'est que peu importe, Kovac, il peut se planter 3 fois dans ce match, il aura à chaque fois le temps de se ressaisir parce qu'en face, l'équipe lui mettra pas la pression, tactiquement, on lui posera pas de soucis. Donc voilà, c'est bon. Même s'ils prennent 2 rouges, on risque de perdre et tout. On a vu le résultat avec Marseille. Ah, on n'a pas réussi à marquer. Donc, Il y a un truc important, par contre, pour Monaco. Il y a juste un truc important, c'est que 2 jours après, ils jouent le quart de finale de Coupe de France contre Lyon. Ouais. Il y a quand même un truc en termes de gestion pour Kovac. Mais ils ont quand même un objectif championnat. Ouais. Monaco, ils peuvent encore champion mathématiquement. Je pense qu'il fixe le championnat, clairement. Mais après, Lille a quand même pris un petit peu de marge, je trouve, maintenant. Et j'ai l'impression que Lille est parti pour. Parce que Paris va se concentrer sur Ligue des Champions pour moi. Ils sont sur une grosse dynamique, Monaco, quand même. Je suis d'accord, mais je pense que Lille est bien parti. De toute façon, je crois qu'il y a un. Je ne dis pas de conneries, Monaco, il joue contre Lille à un moment donné. Non, ça a déjà été fait. Il joue contre Lyon, il joue contre l'un des gros encore. Je crois que c'est Lyon. Ouais, il y a un Lyon-Monaco dans 2 semaines. Lyon-Monaco, ouais. Non, c'est Lyon-Monaco. Mais il y a aussi Lyon. Je crois que Monaco joue encore en gros. Ouais, je crois qu'il joue encore en gros. Et c'est pas Paris, c'est sûr. Et je sais plus si c'est Lille ou Lyon. Mais voilà, il y a quand même un quart de finale de Coupe de France 2 jours après le match contre Bordeaux. Le plus important de façon pour nous à l'heure actuelle, c'est de connaître à la rigueur le calendrier de Nantes et de Dijon et de Lorient. Le week-end prochain, il y a un Strasbourg-Nîmes. Ça va, mais... Strasbourg-Nîmes, les gars. Strasbourg-Nîmes, c'est le week-end prochain. Nîmes-Strasbourg ou Strasbourg-Nîmes. Mmh. Ça veut dire que si Nîmes gagne et que nous perdons, parce qu'on va sûrement perdre, hein, on va pas. Bon, même si on fout tout est possible, bon, on est lucide. S'il se passe rien. Mais même si on fait nul, Nico, et que Nîmes gagne, il n'y a que 4 points. Hein. Ouais, et donc, mais si Nîmes bat Strasbourg et que nous on perd, ils sont à 3 points. Et là, alors même si on a un goal average, attention, il reste encore beaucoup de matchs. 6 matchs, c'est beaucoup. C'est 18 points. Attention. Ouais, mais attention, Strasbourg. Mais Strasbourg est au même niveau de points que nous. Attention, donc Strasbourg, ils vont pas non plus y aller facilement. Strasbourg, ils ont un rythme de l'euro relégable. T'as 18 points à prendre, mais combien. Tu vois ce que je veux dire? T'avances à un rythme très faible. Mais par contre, les gars, alors autant moi, il y a quelques semaines, on se disait pareil, notamment avec Saint-Té, Strasbourg qui servait de bouclier. Autant maintenant, vu que c'est des boucliers qu'on a vu contre nous, on les a explosés, nos boucliers. En soi, c'est même plutôt eux qui nous ont explosés sur le terrain. Attention, parce que Nîmes, moi je suis désolé, mais je n'ai pas leur calendrier en tête. Parce que pour moi, le seul adversaire réel, c'est Nîmes. Le calendrier de Nîmes. Je vais vous l'afficher. Je vais vous l'afficher. J'ai essayé de vous l'afficher. Hop. Lorient, je pense qu'ils prendront plus de points que nous. Pour ça, moi je dis le vrai adversaire, c'est Nîmes. Lorient vont prendre plus de points que Bordeaux. Donc, on ne tapera pas avec eux, quoi. Calendrier de Nîmes, pour moi, il est important parce que Nîmes, en fait, comme je le disais tout à l'heure, ils ont la ressource mentale pour aller se maintenir. Bordeaux, il y a pas. Ouais, ils ont l'habitude. Et au-delà de l'habitude, il y a la fin, quoi. À un moment donné. Mais ils sont programmés quand même pour ça, les mecs. Ils savent depuis le début de l'année qu'ils vont devoir. L'an dernier, la 19e journée, ils étaient condamnés à la relégation. Le championnat est même pas allé au bout. En 11 journées, ils avaient rattrapé leur retard, quoi. Alors voilà le calendrier de Nîmes. Je vais y arriver à l'afficher. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est ça. Donc Strasbourg, Lens, Reims. Ah, il y a Lyon. Il y a Lyon. C'est intéressant. Lyon et Rennes. Il y a Lyon, mais Metz, ils n'auront sûrement plus rien à jouer. Il y a Reims. Reims, ça joue quand même. Reims et Strasbourg, c'est important parce que c'est deux équipes qui ont autant de points que Bordeaux. Donc, effectivement, il faudrait qu'à chaque fois, il y ait des matchs nuls dans ces matchs-là. Quoi. C'est pas si facile que ça, parce que tu as des concurrents à l'Europe quand même. Ouais, Lens, pas lâcher, Rennes. Normalement. Rennes, Lyon. Lens, ils ont combien de points d'avance sur Marseille aussi?
Pas énorme, pas beaucoup, mais je crois que c'est 3-4 points. Il reste encore beaucoup. Ouais. Non, c'est pas énorme. Dans les matchs, j'aurais plus de doutes. Ça serait bien, c'est Metz. Je pensais qu'ils avaient plus. Ah, ça sera pas simple pour personne, hein, je pense, jusqu'à la fin. Ouais. Bon, ben voilà. Bon, écoute, un petit quiz pour se quitter, messieurs. Se quitter dans la joie et la bonne humeur. Et la bonne humeur. Une petite mort subite. Une petite mort subite à tour de rôle. Ah, non, ça serait des questions. Les joueurs ouais, dis-moi. J'allais dire si ça aurait été les joueurs de Monaco à Bordeaux, je te le dis tout de suite, Tchouaméni. Tu vois. D'accord. On va commencer par ça. C'est ça le thème en fait, c'est une mort subite du coup. Donc pris les joueurs de 90 à aujourd'hui pour équilibrer parce que ouais. Samuel dit ah ça c'est trop vieux, Nico me dit ça c'est trop jeune. Ah, et tout. Donc là j'ai pris 90 à aujourd'hui du coup. Ouais. Donc ouais. Les joueurs qui ont fait Bordeaux et Monaco. Du coup on va commencer. Il nous dit du coup de 90 à maintenant. Allez, ouais, c'est ça, qui ça, commence. Qui c'est qui commence? T'as lagué. Comment, si vous voulez. Alors j'ai dit Conan. Allez, vas-y. Ah, non, Conan. Conan. Ah bon, vas-y. Conan. Ah bon, bah, on va dire Tchouaméni. Hein. Salaud. Tchouaméni, voilà. Bien joué, Conan. Super. Trop facile. Ouais. Allez, Samuel. Merci. Alonso. Ah, bien joué, j'allais le dire. Allez, pour Alonso. Bien joué. Allez, Nico. Benarbia. Bien joué. Gino. Ah, j'ai eu peur. Ah, je voulais le garder. Je vais dire Sylvain Legvinsky. Bien joué. Bien joué. Il sort de loin celui-là. Il sort de derrière les fagots. Allez, Conan, je sens que tu vas être en difficulté. Benacer. Oh, bien joué. Je suis sûr qu'il avait ça. Ça s'appelle pas Benacer, hein, les amis. J'en ai un, je crois aussi. Aïd Benacer. Ouais, c'est sûr, Conan. Oui. Ah oui, ah, éliminé, oui. Conan. Éliminé. Oh, ah non, non, c'est bon, allez. Allez. Ah, si tu dis Belé, pas Maurice Belé. Donc, Samuel, Maurice Belé. Laisse-moi voilà. Encore un tour, ah oui, bah, oui bah, merci. Tout à fait. Bah, bien sûr. J'en ai d'autres, hein, mais tu viens de m'en donner un, hein, j'avais oublié. Maurice Bellet. Ouais, ouais. Il a joué à Monaco, ouais, Maurice Bellet. Ouais, oui, bien sûr. Mais à Monaco. Oh, okay. Formé à Monaco. Avant d'aller à Sochaux, je crois. Il était formé non, à Monaco. Ouais, formé à Monaco, tout à fait. Ouais, bah Maurice Bellet. Bah, Nico. Giorgetti. Bien joué. Mais oui. Il a fait qu'une saison, mais il y était. Effectivement, à Monaco. Ouais. Ouais, mais j'ai le chat, alors je te dis, sur le chat, ils sont. Ah, salaud, Nico. Mais je peux pas, j'ai mon truc, j'ai le chat devant, je suis obligé. Chat, bon, allez, je l'enlève. À chaque fois, je mets notre truc en plein écran pour plus. Je l'enlève. Je l'enlève. C'est à moi. Ouais, vas-y, dis-nous. Je vais tenter, je pense que je me plante pas. Moussa Mazou. Ouais. Bien joué. Ouais. Non, mais c'est bon. Attends, purée, parce que moi, du coup, j'ai perdu le mien, moi. Allez, Conan. Pascal Meriem. Ah non, mais putain, non, c'est Kamel. Je voulais le dire, il a dit Pascal Meriem, bon, t'es mort. Non, mais moi, je le dis, je participe pas à un jeu. C'est bon, je voulais pas parler. On rigole pas avec l'héritier de Zinedine Zidane. Pour deux matchs, certes, mais l'héritier de Zinedine Zidane, quand même. Donc, c'est Kamel. Il y avait lui et Mourad Megni. C'est Kamel, on respecte Kamel. Et on souhaite la bienvenue à un nouveau socios. Bienvenue à Guillaume Secli, nouveau socios, 69e. Bienvenue à lui. Ouais. Bienvenue à toi. Donc, il est éliminé, Conan, ou pas? Non, je le garde. Kamel Meriem. Surtout, moi, c'est celui que j'avais. Et Pascal Meriem, c'est son père. Ah, j'en ai un. Tranquille. Jérémy Ménez. Oh là là, il est beau. Celui-là, il est magnifique. Il est pas piqué d'un. Moi, j'en ai un, je crois, qui est pas mal. Un tacleur, là, à la Giorgetti. Patrick Blondeau. Et oui, tout à fait. Bien joué. Il a pas fait longtemps, je crois qu'il a fait qu'une demi-saison à Bordeaux, mais il a bien joué à Bordeaux et il a fait Monaco quelques années. Du coup, Gino, je te sens pas bien. J'en ai un. Il est là. Il y en a quelques-uns qui sont évidents. Le pire, c'est que c'est ça. Il y en a un qui est au Girondin encore. Non, vas-y, je veux. Tu passes mon tour.
Bon. Moi, non, mais ça, c'est une règle, ça, je passe mon tour. Non, mais vas-y, je l'ai pas. Non, non, mais il est éliminé. Il est éliminé. Ouais, t'es éliminé. Je triche pas, moi, Nico, j'ai pas le chat. Ouais, alors Nico, avec c'est ça, avec le chat, la ramène pas trop quand même. Non, non, non. J'ai rien. Ah, ça, c'est moi, là. Pardon, il y en a d'autres. Pardon. Allez, Conan. Alors, je pense que je peux être éliminé parce que je crois que je confonds le joueur. C'est Maviba. Non, il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Ah, c'est. Je confonds avec Evra, et tout, qui n'a pas joué. Moi, j'en ai un qui vient d'arriver. Evra non plus. Samuel. Non, mais Evra qui n'a pas joué à Bordeaux, tu vois, dans le sens contraire, c'est ça que je veux dire. Moi, j'en ai un qui est d'accord, Conan. Pourtant, qui est réputé pour être très lent. Il est réputé pour être très lent dans sa carrière, mais il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Hein. Ouais. Jérémy Toulalan, mais ça, mesdames, messieurs. Bien sûr, mais. Eh oui. Non, mais il y en a 20. Il y en a énormément. Il y en a, Achille. Il y en a plein. Mais il y en a plein. Et il y en a. J'ai trouvé 28 joueurs. Le futur joueur de Bordeaux, on l'a dit ou pas? Oui, Plasil. Attends, c'est pas toi, il reste encore Nico. C'est moi, Plasil. Mais Plasil, oui. Plasil, Nico. Ça n'a pas été dit. Ouais, j'ai capté tout à l'heure. Mais il y en a énormément. Allez, Samuel. Samuel. Non, moi, j'y suis pas. Moi, j'étais persuadé sur tout l'allant, on avait fini, moi. Non, bah, il en reste encore pas mal. Mais, mais là, c'est l'ancien. On commence à rentrer Je sais de qui parle Nico. Mehdi Zerkane. Ah oui. Ah, mais il n'a pas joué Mehdi en Zerkane. Pro. Non, il n'a pas joué en pro. Bah, mais ouais, mais je l'ai mis. Allez, je le compte. Il était dans le groupe professionnel. Allez, je le compte. Allez. Mais il était dans le groupe professionnel. Non. Mais non, parce que j'ai capté Samuel. De toute façon, il n'aurait plus d'idée après Samuel. Mais c'était un joueur professionnel de l'AS Monaco, Mehdi Zerkane. Non, je crois pas. Je crois pas. Il était considéré dans le groupe professionnel, mais je te l'accorde, Samuel. Bon, allez. Ouais, je te l'accorde. Allez, Nico. Il se moque. Bon, j'ai vu plein de noms sur le chat. Donc, allez. Enzo Schifo, on l'a dit? Non, mais effectivement, Enzo Schifo, dans les deux clubs. Bien joué. Hop. Merci le chat. Hein. Et Samuel, je pense que je peux retrouver. J'en ai un. Eduardo Costa. Ah, oui. Tout à fait. Il a joué quelques matchs en 2009 jusqu'à 2011 à peu près à Monaco. J'avais oublié qu'il était passé par là-bas. Ouais. Eduardo Costa. Nico. Les applaudissements, j'entends pas. Non, mais moi je suis éliminé, j'ai le chat. Y a, sur le chat, ils sont rigolos. Et Marc Benarbia. Il se moque de Conan. Marc Benarbia. Antoine Costa aussi, on l'a pas dit. Non, mais. Alors, merci mais sur le chat, par contre. Merci le soutien. Feidouno, il a pas joué à Monaco, Feidouno. À la fin de sa carrière, il a fait justement que Monaco descende, justement. Moi, je suis éliminé, il y en a énormément, je suis éliminé, moi. Ah, mais Samuel, t'es grand vainqueur, du coup. Je triche. Voilà. Non, après. Vas-y, Samuel. Non, je cherche un dernier. Tu peux en trouver, je pense. Il y en a deux, quand je vais te les dire, tu vas faire ah oui, c'est évident. Qui sont assez récents. Dont un qui est très récent. Il y a deux, trois ans. Un récent, ouais. Ouais, il en met sur le chat. Cyril Roll, c'est pas mal aussi. Cyril Roll, il a joué aux deux clubs. C'est ça. Un dans ses récents, tu dis, il y a 2-3 ans. Domoro, bien joué. Tigana. Domoro, ouais, tout à fait. Il a entraîné Tigana. À la fin, ouais. Ah ouais. Tigana, il a entraîné à Monaco, il n'a pas joué à Monaco. Ouais. Ouais. Ah. Non, j'ai pas. On a encore. Alors, il y avait Patrick Battiston qui a quand même joué, qui a quand même encore joué à Bordeaux au début des années 90. Il a fait Alain Roche. Non, pas Alain Roche. Il a fait Monaco. Non, il y a Marc Delaroche, dans le gardien remplaçant. Ah, voilà, c'était lui que je voulais. Deuxième gardien. C'est bon, les gars, arrêtez sur le chat de vous moquer de moi là. Il se moque de moi, il me met Charles-Henri Plasil. Il se moque de moi. Pas mal. Après, il y a eu qui ? Il y a eu Jean-Marc Ferrage aussi. Il y a eu un joueur qui s'appelait Youssouf Fofana dans les années 90. Mais Fofana. Guillaume Niako, Eric Guérit. Celui que je pensais, Sam, que tu n'as pas cité, c'est Meïté. Soilio Meïté. Ah, Soilio Meïté. Soilio Meïté. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et le dernier, Bijota. Bijota, c'était avant les années 80. Il n'était pas dans un des deux clubs dans les années 90, c'est pour ça. Du coup, je ne l'ai pas compté. Et après, il y a Philippe Rachkarny qui a joué à Bordeaux quand Bordeaux était en Division 2 à 91-92. Voilà. C'est sympa. Bon, ben super, c'était sympa.
J'espère que bon, on a encore du monde, hein, 170 connectés. Merci d'être resté jusqu'au bout sur tous les réseaux. Merci à vous. Il y a beaucoup d'idées aussi. Sur le chat, il y a eu les José Touré, les Gengini, tout ça, c'est les années 80, effectivement, après. Mais ouais, José Touré. Voilà, c'était avant. Vous n'avez pas connu, vous. Vous n'avez pas connu José Touré. J'ai vu des vidéos. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, messieurs. Ah ouais. C'était excellent. Sympa. Excellent. Bon, ben, Conan Forte. Et juste sur Roland, Nico, parce que c'est aussi un exercice qu'on ne fait pas souvent, d'avoir des joueurs dont on a pu débriefer les performances et critiquer les prestations. Moi, par exemple, je suis très dur avec lui. Je ne suis pas forcément pour qu'il revienne à Bordeaux. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour l'effectif girondin. Mais force est de constater que ça fait quand même plaisir d'entendre des joueurs qui disent qu'ils seraient prêts à se battre pour ce club. Parce que même si, encore une fois, ce n'est pas forcément la priorité numéro un dans les recrutements, entendre un mec qui vient et qui dit, même si on peut dire qu'il y a une logique de vouloir trouver un club, si ça, ça, que c'est peut-être intéressé, blablabla, entendre un mec qui dit j'aime ce club et j'ai envie de me battre pour lui, c'est quand même important. C'est quand même important. Et tu vois que c'est sincère. Tu vois que c'est pas. Il le dit pas parce qu'il nous sert la soupe habituelle. Ça reste important. Parce Le mec a gardé des liens quand même. Mais c'est ça. En ce moment, tous les mecs au club, y compris des Bays ou Koscielny aujourd'hui, qui sont censés être soit impliqués par leur passé, soit impliqués par leur attachement au club, on n'a pas le sentiment qu'ils partagent ce discours-là. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice que nous on a l'habitude de faire, et pour lui c'est pas forcément facile parce qu'il est avec en face de nous, tu vois, on n'est pas à côté, c'est ouais, c'est simple en plus, hein. Il s'est pas pris la tête, ouais, bon, à part le casque, il a pas la grosse tête. Non, c'est clair. Et il parle un français remarquable, hein. Là faut le souligner, ouais. Il s'exprime vraiment très très bien. Voilà. Bon, alors je vais me justifier. En fait, j'ai confondu les chatters. Je vous le dis, j'ai confondu Pascal Feindouno et Kamel Meriem. En fait, c'est bon parce que le Jean-Michel à peu près drive. Hein. C'est une collab en fait entre deux footballeurs. C'est très bon. Ça peut être une idée pour un jeu, hein, Joe, de faire deux prénoms et un nom pour les joueurs. Okay. Bah, vous avez vu, je suis créatif quand même, les chatters là, au lieu de me critiquer. Bon, prochaine c'est émission. C'est l'alcool qu'on achète bien pour ça. Jeudi, le grand angle, avec Antoine, Patrick et Philippe. C'est jeudi de 20h à 21h. Et le débrief à chaud. Cette fois-ci, le match est à 17h dimanche. Hein. Vous pouvez faire la petite sieste, c'est un peu bien, plus tard. 17h dimanche, donc le débrief à chaud. On va aller prendre le repas. Sera à 19h. Par contre, attention, j'ai vu qu'on avait un dimanche un match à 13h. Je ne sais plus quand, là, début mai, je crois. Rennes. Mais arrête de t'emmerder, Nico. L'an prochain, ce sera le samedi à 14h. Voilà. Donc, comme ça, au moins, l'horaire sera fixe. Et au moins, tu ne seras pas emmerdé. C'est bien, tu pourras installer un vrai rendez-vous. Ouais, exactement. Bon, allez, merci à tous. Et puis à bientôt. Sous vos applaudissements. Allez, au revoir. Ciao. Petit générique. Hein.